Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous partons faire un petit tour en Amérique latine. Alors les gars, vous allez être très déçus. Du coup, je vous l'annonce tout de suite. En fait, Carly ne peut pas, il y a son ordinateur qui a planté. Donc du coup, j'ai les ingrédients, ça c'est bon. Il m'a envoyé toutes les recommandations pour faire les recettes. Donc voilà, donc on sera pas avec Carl aujourd'hui. Je crois que si elle avait 100 ans de moins et moi 100 ans de plus. Attendez, voilà, donc du coup, voilà, et maintenant je passe au bonjour. Bonjour Baloulou, bonjour Michael, bonjour Bigfoot, bonjour Vince, bonjour Alpha Bosdy, bonjour Pyro, bonjour Doom, bonjour, j'ai raté personne, je ne crois pas. Je crois qu'on est bon. Ouais, merci, bonjour ma couille. Il y a plein moche. Ouais, merci, vous êtes trop gentils, surtout que... donc du coup aujourd'hui il n'y aura pas le feat avec Carl Butin, mais vous inquiétez pas, j'ai tout, il m'a donné tout ce qu'il faut pour qu'on fasse les recettes, ok? Alors, bonjour Tini Griffy, bonjour Gardil, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. En fait apparemment jusqu'à 3h du mat il était avec son pote. Bonjour Dosha Fat Life, bonjour, comment tu vas? Ouais, il était avec son pote jusqu'à 3h du mat et du coup ça a planté et il va commander un nouvel ordi. Voilà, je veux des feats. Ouais, je sais. Bon, on fera ça une prochaine fois, de toute façon, ça sera reporté. Et un peu de sucre en poudre. Ouais, alors les gars, donc du coup, je vous dis ce qui est au menu. Alors, donc, on était parti sur... Donc, je vais garder mon téléphone ici, hein, j'ai les indications. Donc, un ceviche, je rigole. Big, ouais, ok. Donc, nous allons faire un ceviche. Du coup, j'ai pris de la dorade et on va faire un lait de tigre, en fait. Les tigres dorades. Bonjour Damshin, comment ça va? Ouais, attends, Kitini Griffy, on va bientôt presque. Peut-être qu'on va plus avoir de couvre-feu. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'ils vont peut-être le reculer, mais bon, j'y crois pas. Voilà, comme ça, on continuera toujours pas à sortir le soir. Hein. donc, on va faire les ceviche, on va préparer les tigres. Ensuite, on prend le poisson. On va faire des tortillas. Donc, il m'avait mis sur la liste des courses des tortillas, les gars. Voilà, donc du coup j'ai fait ma pâte à tortilla et nous allons faire nos tortillas nous-mêmes. Donc dans les tortillas on mettra 3 fromages, on va mettre, on va mettre de la mozzarella râpée, on va mettre du cheddar et on va mettre de la feta. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Ok, et tu es quoi là? Ok, bon je vous laisse les gars. Donc du coup on cuira notre tortilla. Donc on fait le ceviche, on va faire un guacamole aussi, un guacamole, alors les gars il y a pas, je vous raconte pour la guacamole, la petite historique, et donc il y avait autre chose, donc on va faire un toast aussi, donc toast, j'ai pris du pain aux céréales, hop là, l'œuf, faut pas que tu te barres, et nous allons faire un œuf mollet les gars, donc vous savez que je suis super forte pour faire l'œuf mollet, ça va être génial. Écoute Alpha Baldi, il va bien bébé. Bah là en fait il est dans son carton. Il est dans son carton et il n'a pas bougé depuis ce matin. Voilà, il est juste. On a fait le petit déj ensemble ce matin et après il est parti. La farine de maïs. Alors Doom, en fait du coup au Mexique, c'est farine de blé ou farine de maïs. Du coup j'ai fait tous mes pots. Je n'ai pas de. Je croyais que j'avais la farine de maïs, mais elle est violette. Hein. Merci pour le follow Flykill. Donc du coup je n'ai pas fait violet. Non. J'ai mis la farine d'épeautre et quelle farine d'après vous? Ah, salut Flykill24, ouais, merci, c'est gentil, merci. Ah, écoute, bienvenue sur la chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, on part en Amérique latine. Voilà, donc alors, on y va. Donc la tortilla. Donc les gars, la tortilla, elle existe. On a les premières traces, il y a plus de carrément. Donc c'est vraiment avéré, première trace, il y a 5000 ans. Donc la tortilla, autant vous dire qu'apparemment, c'est le... farine de... Baloulou, j'avais utilisé... tu sais, j'avais utilisé pour... quand j'avais fait mes deux roues arc-en-ciel. Voilà, donc du coup, je vous ai épargné une tortilla violette. c'est farine de blé, du coup. Ça se fait aussi avec la farine de blé, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, en fait, on a des traces avérées, vraiment. Une preuve à Oaxaca, au Mexique. Donc ça, c'était vraiment il y a plus de 5000 ans. Après, ils pensent que ça date quand même il y a 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc ils pensent aussi que ça datait à 7000 ans avant Jésus-Christ. Mais là, en fait, c'est pas encore totalement confirmé. Merci, Aldisla. Pour net, le... Ouais, mais si, je suis très nette. Bonjour, Batou. Merci pour le follow.
Pourquoi c'est une farine spéciale pour faire la farine misa. La farine misa. Ah non, je connais pas Doom. Alors là, du coup, autant j'ai découvert pendant les vacances, mince, il y a deux farines que j'ai découvertes que je ne connaissais pas, il fallait que je vous en parle. Mais là, du coup, la farine misa, je connais pas. Bah merci Doom, du coup, je vais regarder. Merci misa, c'est rouge, bleu, blanc. D'accord, ok. Eh ben écoute, Doom, je sais, ouais, je connais pas. Elle est hyper active que moi, c'est où? Je pensais que ça. Arrête la kill! Ouais, du coup, alors. Donc, Maya, t'as changé quelque chose? T'as bien pris un coup de soleil? Non, j'ai pas pris de coup de soleil, du coup. C'est peut-être la lumière, je sais pas. Ouais, et donc, du coup, alors attendez, donc la tortilla, donc, c'est probablement un des mets culinaires les plus anciens faits à la base de farine de blé. Ouais, voilà, c'est ça. Avant Jean-Claude Convenant. Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, nous avons notre tortilla. Alors, on va commencer. Par quoi allons-nous commencer, les gars? On va commencer. Donc, pour la guacamole, les gars, regardez ce que j'ai sorti. Ouais, coucou John, comment ça va? Merci, Damchine. Arrête avec ton poète! Du coup, je... Ah, ben voilà! Eh ben oui, forcément. Donc du coup, c'est mon molcajete. Vous savez que je suis fan, fan, fan. Parce que comme j'ai été au Mexique et tout, du coup, j'avais mangé des plats dans le molcajete et c'était juste trop bon. Donc du coup, j'en ai acheté un ici. Et vous vous souvenez, on avait fait un plat mexicain. On avait fait un molcajete, je sais plus à quoi on l'avait fait. Donc du coup, on va travailler notre guacamole dedans et ça fait ressortir grave les saveurs. Merci Chabez pour le follow. Merci beaucoup. Bonjour Chabez, comment tu vas? Ah ouais. Attends, on dit rosé, si c'est comment dire, un peu rouge et non bronzé. Oui, voilà, je suis pas encore bronzée, les gars. Ouais, c'est juste une petite prise de couleur, on va dire. Après, je suis pas restée longtemps. Coucou, John. Merci, Flykill. Donc, nous avons John avec nous. Voilà, donc du coup, ça, on écrasera l'avocat dedans. Ensuite, alors, attendez. Pour faire notre lait de tigre, je vais sortir la dorade aussi. Alors, attendez. Du coup, elle est là. Voilà, donc nous avons notre jolie dorade qui est ici. Bon, on avait dit deux filets. Écoute, Carlos, j'ai pris qu'un filet. Ça devrait aller pour moi. Donc ça, on va. Bon, en fait, on va le faire en poisson cru. En fait, on va juste le couper comme quand on fait les sushis. Voilà, les sashimi, pardon. Hello, ouais, salut, Zika Freeze. Ouais, je suis prête. Mais Carl, il a planté son ordi. Ouais, il t'a pas dit? Salut, Tiabès. Ouais, coucou. Ce poète, j'en salue mon pantalon. Mais c'est où, je kiffe ça. Merci Flaky, bah écoute, bah, je suis contente. Bah écoute, installe-toi. Donc la chaîne, donc tu gagnes des petits points de chaîne et donc du coup tu peux t'amuser un petit peu avec les récompenses. Si tu économises tes points, jusqu'à 30 000, tu peux m'imposer un ingrédient. Voilà. Et j'ai pas fait. T'as pas fait tes devoirs, hein? Ok. Bon bah voilà. Donc tu vas voir cette cuisine plutôt ici. On peut s'accorder, quelquefois on s'accorde des petites dérives, on va dire. Bonjour Florian, comment tu vas? Si tu parles du duo, ouais, il y a abandon. Ouais, donc Zika Freeze, du coup, en fait, il y a le feat, donc ouais, ceux qui nous faux. Rejoignent. Ouais, du coup, il y avait le feat avec Carl Dutting. Carl Dutting, voilà. Et du coup, son ordinateur a planté. Voilà, mais vous pouvez rester, hein. On va faire exactement les recettes qu'il nous a dit. Alors, on y va. Donc, on va commencer avec le picot des gaillots. Picot des gaillots, donc il nous faut de la tomate. De l'oignon rouge qui est ici, il faut de la coriandre, du sel, du piment et du tabasco. Donc tabasco, en fait, j'ai pris ces deux-là. Celui-là, il est plus doux, ouais. On va peut-être prendre celui-là. Le petit piment, il est là. Ouais, comme on va mettre du piment, je pense qu'on va prendre le tabasco plus doux. Et du citron vert, voilà. Donc ça, c'est... voilà, on va commencer avec le picot des gaillots. C'est un mytho, il a trop bu, il a renversé de la boisson dessus. Ah, tu viens de l'apprendre? Ouais, Zuckerfist, ouais, je suis désolée. Voilà. Ouais, Damshin, toujours là. Ouais, toujours un petit rapport à l'alcool. Hein. Les gars. Bon, ok, on y va. Donc, du coup, il ne faut pas que je garde les pépins qui sont à l'intérieur. Voilà. Merci pour le follow. Merci Nolé. Merci Nolé. 2021, pardon, je ne dis pas à chaque fois un tour. Ouais, coucou, comment tu vas? Bah, écoute, bienvenue sur la chaîne. T'es bientôt à 30 000, Batou? Ouais, et je prends un ingrédient où je fais mumuse avec les sons. Cruel dilemme, ouais, je sais. C'est pour ça que je les ai mis, les gars. Ouais. Moi, il me reste 11 000 points de chaîne pour avoir le choix d'ingrédients, mais je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas lequel choisir? Ok, bah, à toi de voir. Oui, Nolé, attends, tu l'as vu? Il est là. Ouais, elle le fait, c'est le chat. Hein. Ouais. Alors, bien sûr qu'on reste la star de ce live, c'est bien Maya. Moi, ça fait sûrement... Ah, ouais, Michael. Ouais, du coup... Bon, Carl, ça aurait été sympa. Donc, du coup, les gars, on y va. Alors, on va
On va couper. Attendez, je nettoie mes tomates. Bon, vous avez vu, du coup, j'ai pas nettoyé le pinceau, je suis pas morte. Hein. C'est lui d'hier. Sache qu'un jour, on lui a proposé un truc simple comme l'ananas et que tout foiré. Bigfoot, c'est pas bien de dire à ceux qui nous regardent, en fait, qu'il y a eu des foirages. Oui, donc ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, écoutez, il peut y avoir des foirages, ça arrive. Ça arrive, mais plus trop souvent. Beaucoup l'année dernière, ça je vous l'accorde, mais plus trop souvent. Oui. Tu sais pas lequel? Bah écoute Florian, et si c'est pas un ingrédient, tu peux faire un plat si tu veux. Enfin, si tu veux un plat, s'il y a un plat que t'aimes bien et tout. Ouais, tu vois. Alors, sachez que j'ai déjà eu natto, j'ai eu la tête de veau. Attendez, natto. Attendez, natto. Je viens d'avoir dans mon oreille, la batterie est faible, donc j'espère que ça va tenir. Hein. Ok, j'en ai deux, donc on verra. Donc attendez, on a eu la tête de veau. Ah, les tripes. Oh, les tripes. Oh, les tripes. Alors du coup, attendez, je retire ce qu'il y a à l'intérieur. Et je suis un lapin de 6 semaines, je connais bien, moi je renverse pas mal de... Ah bah oui. Ça veut dire qu'on fait pas attention à ses gestes. Nous, on kiffe les farages. Ouais, salut Gotrek. Oui, je sais les gars, je sais que vous kiffez. Du coup, il n'y a pas beaucoup de cuisson aujourd'hui, hein. Vous avez vu, là, c'est... Du coup, on va, voilà, on va utiliser ça. La seule cuisson qu'il va y avoir, les gars, c'est les tortillas. Et le pain grillé, on va faire griller le pain au four. Et si, on va faire un œuf mollet, donc ça j'ai un peu peur. Je vais te tirer les oreilles. Oui les gars, alors attention les gars. Je vous demande de vous arrêter. Oui, on va pas recommencer comme hier. Hein. Allez, très bien, attendez, je regarde bien en retirant le cœur que tu n'y as pas. Ok, ça marche. On va prendre juste. Moi je vais récupérer le cœur quand même. Pour ma... Voilà, on va récupérer. Hop. Donc on va vraiment couper en petits dés. Voilà, c'est tout petit, hein. Donc là c'est parfait. Hein. Maya, on va avoir une tortilla. Non, je sais pas. Non, du tout les gars. Écoutez, la tortilla, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, après, il m'en faut deux. Et en fait, on mettra le fromage entre les deux. Et après, on mettra à la poêle. Voilà, et on découpera, ça fera une sorte d'apéro. Ouais, non, j'espère pas. Bigfoot, ne me porte pas la poêle, s'il te plaît. Arrêtez, les durums, ils étaient réussis la dernière fois. Ouais, ils étaient souples et tout. Hein. Hop là, donc attendez, hop, je continue sur ça. On coupe en tout petit. Et donc ça, en fait, ça va aller après dans... Bah, on fera la présentation, en fait. Donc, purée de guacamole. Ensuite, il y aura ça. Hop. Voilà. Ah, j'aurais bien demandé à Karl pourquoi il ne faut pas garder le centre. Ah, c'est parce que... Ouais, je sais pas. Hop. Voilà. Et donc, on... Ouais, je vois ça, les gars. Bah oui, je vois que vous kiffez avec Bigfoot et Michael. La question se pose, c'est pas obligé de tortilla. Tortilla de self-défense. Ouais, c'est ça. C'est celle qui va m'être utile au cas où. Maya, t'arrives pas. Attends, t'arrives pas. Mais t'arriveras plus. J'aime. Non. Attends, Pierrot. Attends. Non, Michael, pas encore. Attendez. J'ai mal. Attends. T'arriveras pas jusqu'au bout de ta tortilla. Alors, vous savez quoi, les gars? Vous savez ce qu'on va faire? Je termine de couper ma tomate et on va lancer la cuisson de la tortilla. D'accord? Comme ça, vous allez voir que nous allons obtenir une tortilla. Ouais, si, allez. Et donc, je t'ai jamais vu réussir une tortilla. Arrête. Donc, Pierrot, aie foi en moi. Écoute, essaye d'avoir foi en moi et on y va. On va lancer la tortilla, ok? Voilà, donc déjà la pâte elle est quand même jolie là. Voilà, donc on va faire deux petites boules. Bon les gars, il y a quand même voilà, donc là il y a 100 grammes de farine, donc il y a quand même 400 calories, hein. On fait attention, hein. Ah, petite prédiction, tu veux Baloulou? Comme tu veux. Ouais, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, après je sais que c'est quand les gars ils perdent leur point de chaîne et tout, ils sont un peu vénères. Et c'est surtout, attention, vous ne me dites pas, vous ne me stressez pas à savoir quand est-ce que je termine. On est d'accord? Donc vous faites les prédictions, mais vous ne me dites rien, ok? Pour l'instant, tout se passe bien, on coupe une tomate. Ouais, je sais, merci Bigfoot. Non, j'ai mes deux tortillas dans la main. Ouais, attends, et le Maya, attends. Les Mayas l'ont déjà fait la... Ah, les Mayas ont déjà fait la prédiction, excellent. Ouais, je suis désolée. Mince, Karl, ouais, c'est mon bot. Ouais, coucou Karl, du coup, il faut pas que tu mettes plein de... Non, j'ai pas fermé mon placard.
Il faut pas que tu mettes plein d'emotes, mais merci, 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 Karl. Il faut des calories. Ouais, je sais, mais là, pour la tortilla, attendez, les gars, il va y avoir... Attendez, attendez, je vous ai gardé le fromage, parce que du coup, j'ai un peu tapé dedans hier soir. Merci, merci, Doom, pour l'étude. @ Karl de Tintin-Batopchef d'Aronhead par le beau DSL. Merci, Doom, de le souligner. Merci pour les tirs. Salut Karl. Ouais, écoute, je suis tous tes conseils. Du coup les gars, voilà, donc essayez d'imaginer la tortilla, en fait le tortilla apéritif. Donc du coup nous allons avoir 400 calories déjà. Dans 100 grammes, ici dans 100 grammes, vous avez l'équivalent de 400 calories. Ça fait déjà, on va pas mettre toutes les tranches, je vais en mettre 4. D'ailleurs je vais les peser pour voir comment ça fait. Bon bref. Donc on va manger un petit morceau, moi peut-être deux, allez. Voilà, puis ça, on va l'étaler. Hein. On va rien. Mais Bigfoot, je sais pas s'il va tenir sa langue. Ah, Bigfoot, ouais, dis pas. Alors, on s'aborde son ordi. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, ouais, mais écoute. Mais du coup, ça veut dire que tu peux pas live. Désolée, la team. Ouais, y a pas de souci, Karl. Ouais, y a pas de souci. Bah, ça me fait. C'est embêtant pour toi parce que franchement, les soucis techniques. Je sais ce que c'est. Et franchement, c'est hyper relou. Et du coup, tu vois, moi aussi, j'ai dû changer mon ordinateur. C'était l'an dernier. L'été dernier en fait, ouais, j'ai changé mon ordinateur parce que bah, c'était plus possible en fait. Ouais, le stream c'était plus bon. Je suis douée. Attendez, on termine avec les tomates. Non, mais au secours, attendez. Ah, non, mais à cette allure là, tu vas jamais terminer là. Active-toi. Ok, donc là j'enlève le centre. Hop. Voilà. Bon, j'ai jamais coupé aussi petit. Hein. Hop là. Allez, c'est bon. Hop, on a une partie. Et l'autre, donc j'aime bien manger de la langue à la sauce madère. Ah, je connais. Ouais, la langue, je trouve ça super bon, Pierrot. Ma maman en faisait beaucoup quand j'étais petite. Ouais, on mangeait beaucoup. Elle faisait langue. Alors, elle faisait beaucoup. Langue, c'était à quoi? Langue aux olives. C'était super bon. Pour savoir si tu vas réussir. Ah, oui, bah vas-y, ma loulou. Oui, vas-y, qu'on rigole. Ouais, vas-y, qu'on rigole un peu. Tu retentes la mousse au chocolat noir. Ah, yes. À l'aide après Bigfoot, Pyros. Non, mais les gars, attendez, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Attendez, là, c'est bon, j'arrive à la fin. Attendez, je m'active. Salut, Mike, comment tu vas? Comment tu vas? Donc, du coup, on est en Amérique latine aujourd'hui. Ouais, donc, pas de... Salut, monsieur fabuleux, comment ça va? Ouais, coucou à tous. Bah, écoutez, bienvenue, je suis en train de couper la tomate. Si ça se voyait pas, je vous le précise. Ah non, j'ai pas compris, c'est pas la langue. La langue à la sauce madère, ça c'est Pierrot. Ah oui, c'est Pierrot, ouais. Et donc, Karl, j'avoue, Maya, tu t'es chauffée avec les tortillas. Ouais, je sais, Karl, mais grave. Non, je me suis dit, allez. Parce qu'en fait, c'est pas ça. C'est du coup, en fait, soit j'achète. En fait, il y a 8 tortillas, d'accord? Et jamais je mangerai les 8 tortillas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va aller faire maison. Ça fait beaucoup, sauce piquante. La langue aussi avec des cornichons dedans. Ah, c'est sauce piquante. La langue. Ouais. Ah oui, avec des corniches, t'as raison. Exact. Je suis le chouchou de Maya, elle peut confirmer. Alors, attendez, les gars. Donc, c'est comme avec les élèves. Il n'y a pas de chouchou. On est d'accord? Il n'y a pas de chouchou. Oui. Donc c'est pareil, donc avec les élèves, il faut surtout pas qu'il y ait de chouchou, voilà, comme ça, du coup, on est juste avec tout le monde. Et on est pareil avec tout le monde, voilà. oui, c'est ça. Non, mais Florian, du coup, en fait, tu sais, c'est la texture, en fait, on peut être surpris et tout. Et du coup, c'est bon, et puis tu sais, ça fond dans la bouche, en fait. Ouais, je sais. Bon, moi, j'aime bien, bon, bref. Ouais, j'aime bien, mais je n'en ai pas cuisiné. J'en ai jamais cuisiné. C'était ma mère qui en faisait quand j'étais petite, mais sinon c'est tout. Ok les gars, donc nos tomates sont prêtes. Ensuite, nous continuons. Il faut qu'on hache donc notre oignon rouge. Du coup, je vais peut-être pas tout mettre. Hein. Attendez. Ouais, je vais peut-être garder une partie parce que là sinon ça va faire beaucoup. Voilà. Voilà, alors attendez, et donc du coup, ouais, le mortier, t'as vu, hein? Ouais, c'est un molcajete, c'est mexicain. Du coup, j'en ai trouvé ici, et j'avais découvert ça au Mexique, donc du coup, et voilà. Donc en fait, quand tu écrases les épices et tout, t'as les saveurs qui sont comme dans un mortier, en fait. Tout simplement.
La langue au pot-au-feu, ouais. Il y a toujours des préférences, Maya, même si tu l'assumes pas. Ah non, je te promets, Maya, alors franchement, avec mes élèves, alors je sais, j'appellerai pas ça des préférences, mais en fait, tu vas avoir, tu sais, des élèves qui sont plus calmes que d'autres. Donc du coup, ceux-là, c'est vrai qu'ils t'embêtent un peu moins, quoi. Après, et t'as toujours les petits, tu sais, les petits aussi qui, bon, qui te foutent un peu le bazar, mais en fait, tu les kiffes parce qu'ils sont trop mignons, quoi. Un demi suffira au but de... Ouais, c'est ça, un demi, ouais, c'est ce que je vais faire, Carl. Ouais, ouais, ça marche. Ouais. Pas de chouchou, je confirme, moi je suis spécialement le mal aimé, c'est pour ça que je bois beaucoup. Arrête d'amchine. Ouais, merci Carl. Et donc du coup, tu sais, j'étais partie au Mexique, attends, la fille qui a refait sa pub, et tu sais, ils font beaucoup de plats dans... Ils faisaient beaucoup de plats à base de viande dedans et tout, c'était revenu et tout, et en fait tu le chauffes, tu peux le chauffer sur, sur la poêle, et laisse tomber, c'est trop bon, c'est trop trop bon. Alors attendez, on continue. Donc là du coup, je fais mon oignon rouge. Ah, là ça va plus vite. Ça va plus vite que la tomate. Voilà. Voilà. Et les gars, on y est. Très bien. Alors attendez, ouais, yes. Donc du coup, c'est bon, ça va être un tout petit, ça va être parfait. Quel plaisir ce débit. Ouais, je sais, monsieur fabuleux. Ouais, je sais. Je vous ai mis en souffrance hein, pendant 3 semaines. Merci à vous en tout cas. Ouais, et tu sais que même là, je pense que je peux être en wifi en fait. Hein. J'aurais même pas besoin du câble. Ouais, et donc il est toujours calme. Ouais, bah Loulou, c'est vrai qu'il est... Oui. Alors... Ah, bonjour. Ah, bonjour Carl. Pourquoi non, je l'ai trouvé en France. Ouais, je l'ai trouvé en France, Carl. Du coup, en fait, je l'avais pas ramené au Mexique, j'avais cherché et tout, j'avais pas trouvé. Et non, en fait, du coup, ce que bah, j'ai commandé ici, sur Amazon. Tu peux le trouver aussi. Une misère. Il est pas rouge, mais violet ton oignon. Non, mais c'est un oignon rouge. Attends, Pierrot, c'est un oignon rouge. Ouais, je sais, mais bon, voilà. Merci pour le follow. Merci, Papy Doudou. Merci. Par contre, j'avais ramené. Non, c'était pas du Portugal. Ouais, le Portugal, en fait, du coup, bon, bref, on en parlera une prochaine fois. Au Portugal, en fait, ils font cuire, tu sais, la viande sur des espèces de plaques marbrées. Et donc, du coup, en fait, bah, c'était vachement lourd dans la valise. Donc, j'ai fait, moi, ma façon, en revenant ici. J'ai été chez Casto et tout, j'ai acheté des petites plaques de marbre. Donc pour faire comme, bah comme, voilà, bon bah écoutez, c'est des idées, hein. Comme au Portugal. Ouais les gars, voilà, donc je kiffe voyager et je vous avoue que, fou, comment vous dire, voilà. Et donc, non, non, je pense que Baloulou, ça dépend des jours. Ouais, je sais, mais ouais, mais en fait, Baloulou, du coup, je croyais que tu serais pas là aujourd'hui. Je croyais que tu étais pas là ce matin, que tu préparais, c'est pour... Ok, j'ai pas, tu vois, je comprends encore pas tout, en fait. Ok, très bien. Voilà, donc on a fini avec notre oignon. Du coup, Carl, en fait, j'ai dit que je partais sur le tabasco jalapeno, voilà, ou celui-ci. Donc, comme il y a déjà un petit piment, bon, je sais pas si t'es encore là, mais mon pauvre, j'ai pas envie de te forcer à rester jusqu'à la fin. Bonjour Lucifer, comment tu vas? Non, tu dis rien, tu ne dis rien sur les prédictions. Bonjour l'artiste du net, comment tu vas? Ouais, ça va, tu vas bien? La musique ASMR, ouais, c'est clair. Attendez, non, la musique, vous l'aurez après quand on va mixer, quand on va faire le lait de tigre. Ouais, je vous parlerai du lait de tigre aussi. Attendez. Voilà. Bon, écoutez, j'y suis presque. La fin, c'est une cata. Alors, la fin, vous savez quoi? La fin, je la garde. Hop, ça ira dans ma salade de demain. Ça sera parfait. Donc, ne me dites pas, oui, tu penses pas à tes collègues? Non. Non. Voilà, hop. Très bien. Là, non, mais c'est tout à fait normal. Ah oui, ouais, bon, parfait. Ok, d'accord, j'ai la peine. Ok, ça marche. Le piment, il va encore se déchirer. Non, non, alors là, tu sais quoi, on va pas refaire le stream wasabi. Je m'en souviens, vous vous souvenez quand j'ai mangé le wasabi, là? Mon estomac, il était juste mort. Donc non, les gars, là, on va mettre un petit bout de piment. Mais ça sera déjà très bien. Je ne vais pas croquer dedans. Je te surveille. Ouais, d'accord, ok, ça marche quand même. Attendez, maintenant, du coup, on va prendre un bol. On va mélanger ça. Ça, c'est pareil, en fait. Du coup, je récupère... hop. Là. Voilà, petit mix, hein, parfait.
Donc les gars, c'est les saisons des salades. Donc s'il vous plaît, vous mettez plein de bonnes choses dans vos salades. Donc vous n'oubliez pas le poivre. Au dernier moment, vous récupérez tous les nutriments. Les graines de courge, les graines de tournesol, les gars, vous mettez dans votre petite salade et tout. Franchement, c'est juste parfait. Voilà, donc voilà, petite pub parce que en fait, comme je fais ma salade pour demain, moi c'est ce que je vais mettre dedans. Donc, voilà, et on n'hésite pas à mettre... bon là, c'est un peu compliqué, mais n'hésitez pas à mettre des échalotes, des oignons. Voilà, un par jour, c'est excellent pour la santé. Donc on y va, hein. Et cru s'il vous plaît. Voilà, on se fait des petites salades et tout là, c'est... Allez, on fait le plein, on fait le plein. bonjour à toi. Ouais. D'ailleurs, MP, tu pourras me donner quel mélange des... Ah ouais, ça c'est Baloulou. Baloulou, en fait, tu fais trop envie avec tes cuissons là. Tu fais trop envie. Mes graines, faut les planter. Non du tout les gars. En plus, ces graines-là, c'est vraiment les moins chères. Voilà, donc je vous parle à chaque fois des oléagineux aussi et tout, mais ces graines-là, en fait, ça fait partie des, voilà, des graines les moins chères. Et du coup, c'est hyper bon pour votre système urinaire. Ouais, non, mais arrête de pisse. Et les gars, il faut faire attention à votre prostate. Donc du coup, voilà, ça protège et tout, donc allez-y, on en mange. Voilà. C'était voilà, le petit conseil de la salade. Du canard... Attends, c'est quoi, Damchine, du canard... Du canard... Du quoi? Du canacana, c'est quoi ça? Bonjour Rome, mon amour. Ah, coucou, comment tu vas? On peut mettre des protéines. Ouais, oui, des protéines, oui, bien sûr. En plus, il y a des protéines dans les graines de courge et tout. Hein, donc, allez-y, hein, oui, oui. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est bon. Nous avons nos tomates, notre oignon rouge. On va couper un petit peu de piment. Voilà. Voilà, donc pensez-y pour vos salades. Après, on fera un petit point aussi sur l'avocat et tout, comme d'habitude, hein, les gars. Et j'ai encore plein de choses à vous raconter. Attendez, hop là. Bon, cet après-midi, c'est cartable. Oh là là, ça va être sympa. Oh là là. Donc, j'émince très finement, hop. Et donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas pensé... Ouais, ben bah, voilà, Dame Chine, voilà. En plus, tu es jeune. Merci, oups là, j'ai pas vu. Merci, Elle Sweezy, pour le follow. Attendez, je regarde. Est-ce que j'ai bien prononcé? Merci, ouais, c'est Elle Sweezy, hein. Ouais, Elle Sweezy, elle. Oui. Mais voilà, c'est juste des petits trucs comme ça au quotidien, et puis vous allez voir, hein, au bout d'un moment. Bah après, ça met du temps, hein. Ouais, je vous ai... Bon, bref, j'arrête. Mon doigt qui a glissé sur la souris. Attends, Vince, pourquoi pourquoi ça a glissé sur la souris? Par contre, ma salade, ça fait un repas entier tellement j'en fais. Ouais, bah tout, hein. Ma salade, elle est comme un souci. Mais du coup, voilà, après on a plus faim et tout, c'est parfait. Et donc, Elle Sweezy. Ah, c'est ton pote! Ok, bon bah du coup, merci. Merci pour le follow, Quentin. Au secours, Maya, Bigfoot veut me tailler en bavette. Merci, Elle Sweezy, elle. Merci. Merci, la brigade Card Beating. Alors, attendez. Du coup, merci pour le follow. Merci. Alors, attends. Attends. Le 3, c'est quoi? C'est contre. Alors attendez. Si je te dis quand te play, c'est bon ou pas? Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Je suis désolée. Ouais, coucou Elle Sweezy. Voilà, donc du coup, je suis les instructions de Karl. Voilà, donc les gars. Normalement, ça, voilà, bref, je ne déroge pas à la règle. Sauf là, il y a la tortilla en fait qui va être maison. Mais sinon, pour le reste, normalement, je suis bien. Et j'ai même acheté du pain. Alors, tu m'as fait acheter du pain, car tu sais que je ne vais jamais en boulangerie. Donc, du coup, bah, en fait, voilà. Bon, j'en ai profité comme il était frais d'hier. Du coup, j'en ai mangé. Donc, merci à toi. Salut. Ouais, c'est nickel. Ok, c'est Quentin. Ok, ça marche. Ou Quentin. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Donc, du coup, je n'achète pas normalement. Bon, en tout cas, il est avec des céréales. Donc, du coup, on va récupérer un peu de nutriments. Mais c'est vrai que... Bon, bah voilà. C'est fait, en tout cas. Et donc, préfère... Ouais, bonjour à tous. Ça marche. Ouais, bonjour à tous. Du coup, on continue. Tabasco, je pense qu'on va y aller sur... il n'est pas très fort, celui-là. Attendez, je garde précieusement mon téléphone. Oh, mais attendez, j'ai rien fait en fait. Il est 11h15, j'ai rien fait les gars. Ouais, salut. Arrête Piro. Salut les modos. Ouais, salut Quentin. Attends. Attendez. Ok, donc ça c'est bon. Alors, ouais, du coup, j'ai pas de coriandre. En fait, j'aime pas la coriandre car, donc du coup, je vais prendre du persil, un petit peu de persil. Voilà, qui est ici. Frais d'hier, c'est pas frais. Ouais, je sais. Bah, en fait.
En fait, les gars, j'en ai marre. En fait, avant, je sortais tout le temps avant le stream. Vous savez, il manquait un ou deux ingrédients avant le stream et tout. Et je sortais, je courais dans tous les sens et tout. Et j'ai dit tranquille, tranquille. Voilà, donc hier après-midi, j'ai fait toutes mes courses. Oui, j'ai dû. J'ai pas feinté sur des choses, mais il y a des choses que j'ai pas trouvées. Donc, du coup, j'ai trouvé une autre solution. Je vous dirai après. Voilà, je vous dirai après. Et donc, attendez, et donc en fait, la coriandre, donc comme tu me l'as mis sur la liste des courses, en fait, c'était dans la plupart des plats, je me suis dit, allez, allez, force-toi, prends la coriandre, et comme ça, tu mets. Enfin, voilà, et donc, du coup, en fait, hier, donc, quand je suis partie faire les courses, vous savez, il y a les petits pots là de basilic, de menthe et tout, je me suis dit, bon, allez, vas-y, regoute quoi. Donc, j'ai pris une pétale, un petit morceau de coriandre, et en fait, c'était juste pas possible. Mais voilà, donc Karl, tu m'as refait goûter la coriandre et je reconfirme que je n'aime pas du tout ça. Ouais, je sais. Et tu sais que ma sœur, j'ai une sœur jumelle, elle kiffe la coriandre. Donc je sais pas ce qu'il y a dans ma bouche ou vous savez, c'est cette espèce d'enzyme en fait, pour certaines personnes en fait, ça va être une herbe fraîche comme une autre. Toutes les autres herbes, il n'y a pas de souci, hein, ça j'aime. Hein. Mais la coriandre, je n'y arrive pas. Voilà, donc du coup, j'ai quand même regoûté en screen. Hein. Je suis en PLS, mon ordi a crashé. Ah oui, ouais. Et Damchi, il a dit quoi? Bon, alors, heureux de retrouver le tableau de... Ah ouais, t'as pas les couilles On va arrêter, les gars. Voilà, donc je vous le dis. Voilà. Donc, j'ai quand même retenté le mari des aventures, quand même. Hop là. Heureuse de retrouver mes élèves. Comment te dire? Je sais qu'ils vont déjà me... En fait, toute l'énergie que j'ai récupérée, là, pendant les vacances, je sais que demain, en fin de journée, ils me l'auront déjà prise. Hein. Donc, voilà, tranquille. Hein. On va les retrouver tranquillement. Ouais, hop. Bah attendez les gars, on part de avril jusqu'à début juillet, hein. De avril à juillet, sans qu'ils se reposent les gars. Mais j'ai peur de la situation. Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance, vous êtes dans l'inconnu. Vous merci êtes seul dans la quatrième dimension. Alors citron vert, du coup, sel, piment, ok on va mettre, alors on y va. Je vais prendre mon sel, je vais prendre, non on va prendre, oui bah c'est celui-ci. Très bien, donc mon sel, voilà. Ensuite je vais prendre mon piment. Tabasco, je vais mettre 2-3 gouttes. Comment te dire? Ouais, monsieur fabuleux. Ouais, c'est toi aussi, les enfants, t'as hâte qu'ils reviennent à l'école, c'est ça? Hop là. Voilà. Ouais, du coup, si c'est piquant ou pas, j'essaie de vrai. Et on va mettre le jus de notre citron. En tout cas, tu es... Ouais, merci, Camplet. Merci, c'est gentil. Ouais, ouais, ouais. Bon, oui, oui. Attendez. Donc là, c'est bon, on y va. Je presse mon citron. Donc c'est un entier, hein. Ouais. Sel, piment. Ouais, citron vert. Bon, bah écoutez, les gars, c'est bon. Je vais le mettre en entier. Hein. Merci, merci, Keker. Keker, hein. C'est super. Merci, Popolo. Bienvenue sur la chaîne. Donc, du coup, les gars, c'est le moment de faire un petit point nutrition sur le citron vert. Donc, le citron vert et même les citrons, voilà, le citron en règle générale, donc vous avez énormément de vitamine C. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que, en fait, ça va s'oxyder, d'accord? Ça va s'oxyder et tout, donc du coup, voilà, il faudra en remettre un petit peu. Si vous voulez vraiment récupérer tous les nutriments, vous n'oxydez pas. Non, si vous voulez récupérer tous les nutriments, pardon, il faut le presser à la dernière minute, d'accord? Donc, dans le citron, ça, voilà, c'est hyper bon pour le foie parce que ça élimine les toxines. Donc, je vous ai parlé, donc là, on n'est pas sur le citron vert, mais sur le citron jaune. Donc, je vous ai parlé du petit verre de citron jaune le matin, vous prenez avec une paille. Merci, Oméga, merci, oh, pas mal! Ouais, là, avec les sons, ça marche, hein. Voilà, et donc, du coup, vous prenez un petit citron le matin, vous le pressez. Vous mettez de l'eau tiède et vous buvez à la paille et du coup en fait ça, bah ça, voilà, ça fait, voilà, ça fait travailler votre, enfin voilà, ça, c'est bon pour votre foie et tout. Et voilà, donc c'est anti-inflammatoire et tout ça, donc voilà, donc c'est hyper bon et ça booste grave, grave, grave l'immunité. Donc allez-y, mangez du citron, mangez du citron, mangez du citron. Ouais, Oméga, à 25 ans j'ai renoncé aux femmes. Ah mince, déjà, si jeune. Arrête, pas si jeune quand même. Ouais, non, pas si jeune. Bonjour Vénance, ouais, comment tu vas? Mais oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Ouais, merci. Si tu continues, je ne pourrais plus lire le chat. Attends, il a marqué quoi? Donc, la coriandre, c'est un gène qu'on a en nous. Tu aimes ou tu aimes pas? Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça, Carl. Et du coup, en fait, j'y arrive pas. J'ai quand même retesté hier, hein, mais ouais, j'y arrive pas. Salut Shepard, comment tu vas? Ouais, salut Vénance. Et si tu continues, je ne pourrais plus... Pourquoi il a écrit quoi? Citron vert, ça n'existe pas, c'est le lime. Ah, c'est la minute culture. Ah, merci Karl. Donc c'est lime en fait. D'accord, ok, c'est lime. Merci, merci, merci. Du coup, ouais, merci. Ouais, alors donc il était pas gentil. Merci pour le follow, Alain663. Et bah alors, Oméga, en plus il était bien.
Ouais, coucou, un petit salut Alain. J'ai pas compris. Oui, grave, ouais, ça va et toi? Ouais, alors du coup, attendez, je termine avec mon citron. Du coup, voilà, donc même si vous n'avez pas de presse à grumes, vous prenez votre couteau, vous plantez, et en fait, vous savez, vous faites rouler avant, et comme ça, du coup, vous récupérez tout le jus. Voilà. Et là. Ah, j'entends bébé, il est en train de se réveiller. Est-ce qu'il va passer nous dire bonjour? Il était dans sa litière. C'est ça que j'ai entendu. Oui, ouais, ça va nickel, Ménance. Ouais, grave. Bah écoute, ouais, je suis revenue de... Bah j'étais à la campagne, là, et du coup, je suis revenue hier, j'ai fait mon premier live d'ici. Autant te dire que ça fait du bien. Ouais, parce que les streams étaient... Donc c'était surtout pour les viewers, les pauvres. Ouais, le stream était de mauvaise qualité et tout. C'était pas une bonne résolution et tout. Donc voilà, donc du coup, je suis revenue voilà, pour la rentrée de demain. Hein, demain, on réattaque. Attendez, les gars, hop. Ah, bébé est encore en train de travailler. Oui, et donc Alpha, oui, c'était Oméga. Merci Cathy MJ, merci pour le follow, merci beaucoup. Ok, et donc un citron vert, ça va arracher. Ah, tu penses, monsieur... Oh, non, bah, tu sais quoi? Je pense que ça va... Attends, bah, je vais... Après, je kiffe le citron, les gars. Ça, je kiffe. Alors attends, ça, il se lève, ouais, à 11h, ouais, t'as vu. Non, on a pris le petit déj ce matin. Du coup, ouais, ce matin, j'étais debout à 5h30. Voilà, c'était bien. On a pris le petit déj. Et oui, qui arrive. Oh, je kiffe. Tu viens, on dit bonjour. En fait, c'est à la campagne que tu veux pas dire bonjour, on est d'accord. Vous avez vu, à la campagne, il passait pas du tout, et là, bah, là il est là tout le temps. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Moi. Tu veux que je te laisse tranquille. Vas-y. Petit pépère. Allez. Attends, je me lave les mains. Et ouais, bonjour, merci. Vénance, ouais, j'étais en Bourgogne. Tu t'es bien. Ouais, Vénance, c'était cool, ouais. Est-ce qu'on peut le presser avec la kettle? Non, attention, pas touche à bébé, on ne touche pas à bébé. Bébé, c'est bébé. Et voilà, cette voix de velours, oui, comme d'habitude. Bon, les gars, on y va. Ouais, du coup, écoute, voilà, bon, bah, voilà. Ça c'est fait. Écoute, Karl, c'est bon. Non, le chat, c'est à moi, ouais. C'est mon goûter. Merci, salut Samuel, comment tu vas? Donc nous avons fini notre picot des gaillots. Donc ça, on va le mettre de côté. Du coup, je vais le mettre au fond. Voilà, ça c'est bon. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de nous attaquer. Donc déjà, on va couper le dorade dans sa chimie, comme ça sera fait. Et ensuite, on va faire le lait de tigre hein, qui va aller avec. Attendez, à base de coco, lait de coco. Attendez, hop là. Oh là là. Il y a de l'apprentissage, hein, je veux pas dire, mais vous avez vu, le travail propre et tout. Hop là. Tu as fait le plein. Non, j'ai. Même pas. voyons, on n'est pas sadique. Patty Gros. Ah, mais mon lime. Oui, d'accord, ok. Bah, Lulu. Ah, d'accord, avec la kettle. Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Ouais, de rate fraîche et tout. Ouais. Donc là, du coup, non, elle est belle là. Elle est nickel. Hop. Et donc, Maya, de retour en Ile-de-France, c'est des 30 km max. Alors, tu sais quoi, monsieur Fabuleux? Comment te dire? Le gouvernement a décidé de ma vie depuis le mois d'octobre, d'accord? Sachant que je suis maîtresse et que ça ne les dérange pas, en fait, que je me chope le Covid, d'accord? Donc, sache que je n'ai jamais rempli d'attestation depuis le mois d'octobre. J'ai dit si on m'arrête, je dis que je suis maîtresse et puis j'essaye de les convaincre. Voilà, qu'on fait partie de la même maison et que bah voilà, on n'a pas le choix quoi. Ouais, salut Lolo, comment tu vas? Ça rigole pas, c'est propre papa et tu. Ouais, t'as vu, merci Karl, oui, ouais. Fifi serait content là. Tu sais que j'aurais trop kiffé être. Bon, après, je suis pas cuisinière, mais j'aurais trop kiffé, tu sais, bah, qui coach ou un truc comme ça. Laisse tomber. Alors, ouais, je sais pas, c'est ce qui. Sa manière d'être et tout, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Après, il peut être violent, ça, je vous l'accorde, il peut être très très violent par moment. Mais je trouve ça trop drôle. Alors, attendez. Ouais, c'est celui-là. Super. Donc c'est bon, la prof rebelle, ouais c'est ça, bah exactement. En fait si on m'avait laissé le choix, il n'y a pas de souci, mais comme on m'a pas laissé le choix, voilà. Donc du coup je n'ai jamais rempli, ouais depuis le mois d'octobre, en fait j'avais une attestation qui était donnée par inspection, donc du coup je pouvais circuler, vous savez c'était jusqu'au mois de décembre, janvier, et on a eu non on n'a pas eu d'attestation après, et là pour le confinement, bah du coup j'ai dit non, ça me saoule. Ah mince Lolo, je peux te poser une question? Ah c'est à Balulu, ok. Bonjour McLovin, comment ça va?
Ouais, ça va, tu vas bien. Donc, nous avons préparé... alors, attendez, le gâteau... ça tourne. Pourquoi tu t'éteins? Le picot des gaillots. Ensuite, il faut qu'on fasse la guacamole. On va la faire après. Bah, écoutez, on va peut-être faire la guacamole. Non, écoutez, ça, c'est sorti. Donc, on va le faire maintenant. Allez, hop. Donc là, on va le faire en sashimi. Bah, du coup, je ne sais pas enlever la peau en dessous. Donc, nous, on va couper directement là. Et donc, et salut, l'arnaqueuse sur les attestations. Ouais, t'as vu, Philins. Bah, c'est pas ça en fait, c'est que du coup, voilà. Écoute, j'ai eu la chance, je me suis jamais fait arrêter. Enfin, je touche du bois, hein. Hop là. De toute façon, normalement, c'est fini, hein. On est d'accord. Hein. Bah, c'est bon, on va revivre un petit peu. Hein. Hop. Vous imaginez la salle de sport? Imaginez si, bah, si j'avais pas ce qu'il fallait, mais j'aurais été mais malheureuse de chez malheureuse. Les salles de sport sont fermées depuis le mois d'octobre, les gars. Depuis le mois d'octobre. Et les, bon, les boîtes, j'y vais plus, mais... que j'envie... Oh, attends. Que j'envie tous ces gamins, car depuis le Covid, plus d'école, pour moi, ça aurait été la vie rêvée. Ouais, je sais, Samuel. Alors, plus d'école, alors dans les autres pays, hein, parce qu'ici, il y a les écoles, hein, je te confirme. Eve Bardino a pêché une énorme truite en stream. Ah, c'est vrai, McLoving. Ah, c'est ouf. Donc, il fait de la pêche. Ah, c'est ouf. Et donc, du coup, il va la cuisiner. Ah, c'est trop génial, oh là là. Ouais, c'est trop génial. Franchement, c'est trop génial. Mmh, c'est trop bien. Ouais, et ouais, les boîtes, ouais, non, les boîtes pour moi, c'est fini. Moi, je suis trop vieille là. Ouais, c'est fini pour moi ça. Non, et c'est surtout en fait le temps de récupération, les gars. C'est ça, la pique est trop vieille. Et je vous ai dit, quand il y avait mes potes à 3h du mat, déjà, je dormais sur la table, donc je peux pas faire plus tard en fait. Donc si c'est pour arriver en boîte vers 23h minuit, et puis voilà, rester 2-3 heures, et m'endormir... non, et là, je vous avais raconté que la dernière fois que j'étais partie en boîte, je m'étais endormie comme une merde sur le canapé. Donc ouais, non, c'est fini en fait, je sais que je kifferai plus. Je préfère me faire une soirée à la maison de karaoké et tout, ça c'est vachement bien. Ouais, ouais, j'ai passé l'âge. Bon en fait, ouais, je pense que j'ai bien profité pendant ma jeunesse. Donc du coup, c'est bon. Voilà. Ouais, j'ai vraiment bien profité. Donc du coup, c'est bon, je suis bien. Ça ne me manque pas. Non, et puis c'est surtout, en fait, je suis très chiante. Moi, je veux telle musique ou telle musique, sinon je danse pas. Donc, autant me la mettre à la maison. Et il a cuisiné... Ah, il va le cuisiner demain. Oh, yes. Bah, écoute, franchement, c'est trop génial. Ouais, c'est top. Bah, c'est top qu'il vous fasse partager ça. Ouais, attendez. Ouais, c'est trop bien. Hop là. Oui, il y a encore le chat, vous l'entendez? Oui, tu l'as vu, McLovin? Il est passé hier et aujourd'hui. Donc, du coup, depuis qu'on a repris ici, il n'y a pas de souci, bébé, il est là. C'était quoi à mon époque? Ouais, les guirguettes? Non. En plus, est-ce que j'ai déjà fait des guirguettes? Je crois que j'ai jamais fait de guirguettes. Non, c'était il y a quelques années, quoi. En fait, j'ai l'impression que depuis que je suis devenue maîtresse, depuis 5 ans, j'ai l'impression que ma vie a changé complètement. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, ça a changé, quoi. Hop. Donc, je termine. Hop, démincer n'importe quoi. De couper ma dorade. Voilà. Et donc, les gars, hein, si vous achetez du poisson et qu'il sent, c'est que c'est pas bon. Hein. Hop. Parce que le poisson, ça ne sent pas. Voilà. On mettra ça dans une jolie assiette. Tu bosses. Oh, merci, Karl, c'est gentil. Merci. Ouais, petit encouragement et tout. Merci, merci. Hop là. Hop. Donc la dorade, bah écoutez les gars, nous allons faire un petit point, je vais encore vous saouler. Alors la dorade, petit point nutrition. Donc la dorade, donc poisson blanc, écoutez, au niveau des calories c'est nickel, pour 100 grammes vous avez 120 calories, donc ça c'est parfait. Bigfoot, non t'inquiète mec, ça ira. Donc dedans en fait vous retrouvez les 9 acides aminés qu'on a besoin, et on en a deux principalement. Elle n'est pas vieille. Ouais, je sais, merci Michael. Merci, merci. Ouais, et bon, en fait, on retrouve les deux acides gras polyinsaturés qui sont hyper bons pour, bah, pour le corps, en fait, qui sont de la famille des oméga-3, les gars. Donc, les oméga-3, en fait, vous allez en avoir un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez beaucoup plus les trouver dans les poissons gras, parce que celui-là, il n'est pas gras du tout, on a 5% de lipides inférieurs à 5%. Voilà, donc du coup, voilà. N'oubliez pas qu'il faut manger donc, du poisson gras une à deux fois par semaine, les gars, comme ça on récupère, bah, voilà. De toute façon, les oméga-3, on peut aussi avec les huiles et tout, hein. Et les oléagineux, voilà. Mais donc, essayez d'avoir une alimentation variée, bref. Voilà, donc le poisson, ce n'est pas du tout calorique, c'est super bon. Donc voilà, on en mange. Voilà, bon, il y a des sels, les minéraux et tout ça. Bon, voilà, à chaque fois que je disais les minéraux et tout, il y en a plein. Voilà. Voilà, mais en fait, et là, du coup, comme ça va être cru, du coup, on va récupérer pas mal de nutriments. Oui, et donc les poissons, donc prenez les plutôt petits, vous savez, les sardines et tout, parce que bah, les gros, ils sont beaucoup plus pollués.
Voilà. Vous savez tout. Mais je pense que vous le saviez déjà. Elle est 2 dans la tête, donc 50. Ouais, voilà, c'est ça, ça fait 50, ouais. Oui, oui, oui. Non, mais attendez, 50... j'espère franchement qu'à 50 ans, je serai toujours pareil. Parce qu'il n'y a, a pas de raison, c'est pas parce qu'on prend de l'âge que, bah, qu'on peut pas rester... voilà. Voilà, joyeuse, rigoler et tout. Le poisson pané. Non, le poisson pané. Bah oui, oui, ça compte le poisson pané, mais... oui, ça compte. Hop. Voilà. Et voilà. Bah, écoutez, on a fini pour notre dorade. Je vais le remettre au frais et du coup, on va s'attaquer hop, à la guacamole. Attendez, je finis. Bon, bah écoutez, on est bon, hein. Voilà. Donc, j'ai tout enlevé de la peau. Attendez, on va donner un petit bout à bébé. On va voir s'il a envie. Bonjour, Stevie, comment ça va? Oui, mais en négatif si tu le fais. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, Doom, je suis d'accord. Merci, Doom. Voilà, donc Bigfoot, tu écoutes aussi Doom. Hein. 2 ans, ça passe vite. Ah bah, monsieur Fabuleux, arrête, je stream depuis 1 an et quelques. Là, c'est passé à une vitesse. Ouais, je ne me suis même pas rendu compte, quoi. Est-ce que tu peux m'apporter une réponse quand tu auras un instant? Ah, ok. Miss 48. Ah, Miss 48. Le département 48, alors. Hein. Pas l'âge, on est d'accord, hein, monsieur Fabuleux. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Bébé, t'es où? Ah, bah il est pas... Je l'ai entendu manger. Bébé ! Et il est reparti se coucher en fait. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je garde le petit bout de côté. Je vous dirai s'il le mange. Parce que là, il y a encore un petit bout. Voilà, je récupère ça. Et on verra s'il mange. Hop. Donc ça, c'est pour bébé. Voilà. Non, mais arrêtez les gars, s'il vous plaît. Soyez plus sympas. Hein. Allez, arrêtez. Ok, on y va. Donc ça, c'est bon. Merci pour le follow, merci, la bonne sauce barbecue, ouais, je suis d'accord, grave, ouais, merci pour le follow, écoute, bienvenue sur la chaîne, et donc quand on prend de l'âge, on vous bonifie comme le vin, ouais, c'est surtout pour vous, pour les mecs, hein. Faut pas prendre les filles, hein. Ouais, les filles, on a un peu plus de mal, on va dire, hein. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'entretenir, hein. Est-ce que vous avez vu l'épisode d'American Dad, en fait, où il y a Francine qui arrête... de s'entretenir, en fait, elle devient juste pas belle, donc elle arrête de s'épiler, elle arrête de faire du sport et tout. Ouais, et donc, en fait, Stan, il décide de se crever les yeux. Bon, bref, j'ai envie de dire que c'est super drôle, et en fait, qui est vrai, en fait. Et c'est pas parce qu'on est en couple, les filles, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne fait plus attention, hein, attention, hein. Et, bon, j'arrête mes bêtises, je sais pas pourquoi je raconte ça. Bébé, il se fait apporter. Ouais, Oli. Non, bonjour, bébé Paturel. Non, non, pas Oli. Non, bah, en fait, il a pas dormi avec moi, tiens. Ouais, non, non, ici, les gars, il a pas dormi avec moi. De l'autre côté, oui. C'est du poisson mort, je ne savais. Arrêtez, les gars. Ouais, merci, bébé Paturel. Et merci pour les modos, parce que c'est vrai que j'ai des super modos. Je suis complètement d'accord. Ouais, merci, les modos. Alors, du coup, ça, c'est bon. Voilà, alors on va attaquer notre guacamole. Nous allons prendre ce superbe objet. L'amour, c'est jamais de la quille. Exactement, car ouais, je suis complètement d'accord. Et ça, du coup, il faut que, ben, il faut que les gens ils le sachent, parce qu'il y en a plein, en fait, que quand ils se mettent en couple, ils se relâchent. Et du coup, après, les gens, ils se séparent. Mais bah ouais, parce qu'en fait, c'était pas les mêmes du début, que voilà. Donc les gars, on fait toujours, voilà, et toujours, vous vous dites que c'est comme le premier jour. Voilà. Et là, vous resterez, mais des années. J'aime pas le poisson, coïncidence. Arrête. Et Samuel, quand j'étais petit, j'avais pas bon appétit. Mes parents me disaient, mange du poisson, ça rend intelligent. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Arrête, Samuel, pourquoi tu dis ça? Moi, non, mon pauvre. Mais non, du tout, il faut toujours s'envoyer des... oui, de la positivité. Moi, c'est pour rigoler. Ouais. Ok, c'est pour rigoler. Du coup, on prend notre avocat. Alors, j'espère, en tout cas, c'était un de ceux qui paraissaient le mieux. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors, on y va. Du coup, t'avais dit 2, j'en ai pris 1. Alors oui, parce qu'on va faire un petit point nutrition sur l'avocat, les gars. Tu me saoules, quoi. Ouais, donc là, du coup, donc c'est du bon grain. Là, les gars, c'est du bon grain, mais c'est très calorique. Donc, on en prend un petit peu aussi. Maya va-t-elle briser le mortier? Ah, monsieur Fabuleux, oui, c'est vrai, avec mes petits muscles, peut-être. Donc, du coup, j'écrase l'avocat avec la fleur de sel... À la fourchette. Ah oui, c'est à la fourchette, t'as dit. Bon, du coup, je vais prendre le moka. Alors. Hop. Et c'est qui? Michael, c'est qui les modos? Arrête, tu sais qui c'est?
Non, c'est la kettle, c'est la kettle. Alors, hop. Mais écoutez, ça s'enlève. Oh, merci. Merci, Yodzi. Mais qu'est-ce que tu fais? Merci pour les subs. Non, mais ouf. Bah, ah ouais, non, mais en plus, déjà, t'avais sub hier. Merci, Yodzi. Alors, mince. Donc, ouais, merci pour les subs. Attends, il m'a super content en plus, du coup. Allez, rends mon amour. Hein. Merci, Yodzi. Merci, Yodzi. Ouais, comment tu vas? Ouais, donc merci pour le sub à Rome mon amour, à Adrien Tinower, ouais il est passé hier en plus, merci pour le sub à Seiya, ouais c'est super gentil, merci, 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 merci pour le sub à Alpha Postim, merci Yodzi, et merci pour NK, NKT, donc du coup NKT si tu veux sortir de l'ombre tu peux, ouais tu peux, Hervé, en fait du coup je, ouais j'ai un peu, ouais merci Yodzi, merci, merci. Du coup, t'es là, mais en fait, ouais, tu nous fais comme Stellar Flow, vous savez, qui était tout le temps caché. Bon, bah écoute, Yodzi, j'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, Mortier, c'est encore mieux. Ok, ça marche. Je ne peux pas rester longtemps, donc je... Ouais, merci, Yodzi. Merci. Alors, comment ça va? Et ta compète et tout? Et l'avocat, c'est... Oui, alors, oui, en fait, nous avons parlé de l'avocat. Alors, attendez, juste, je termine. On va l'écraser. Ouais, mais... Ouais, voilà, une quête. Ouais, salut. Bah écoute, voilà, tu sors de l'ombre. Coucou, viens, ouais. Merci Yodzi, merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, et donc, ouais, du coup, c'est trop bien. Ouais, merci, merci. Bon, bah voilà. Vous avez le, votre moment de silence. Hop là, donc du coup, j'appelle mon avocat, mais tu es un avocat. Donc avocat mot polysémique. Oui c'est ça. Pas mal hein, Baloulou, les homonymes hier. Et bon Damshin, je sais pas s'il est encore là et tout, mais Damshin, je peux pas faire ça avec mes élèves. Je me suis dit est-ce que j'essaye avec ça, mais non. Du vin, du sang et tout, ça va juste pas être possible quoi. Ok, donc du coup nous avons notre avocat. En plus c'est un bel avocat. Hein. Donc pour 100 grammes, vous avez à peu près 250 calories. On va le peser et je vais vous dire à combien de calories dedans. Attendez, on va peser ça. Oui, il est énorme. Et donc là c'est la période où c'est très très dur, je stagne donc ça me frustre et je commence. Oh, ok, ouais, ok, ok. Bah, et du coup t'as le matériel qu'il faut à la... Non, ouais, si tu stagnes c'est qu'à la maison t'as pas forcément tout quoi. Ouais mais je suis d'accord Yodzi, je suis complètement d'accord. Et ce que je disais en fait c'est heureusement j'ai le matériel à la maison parce que sinon bah, j'aurais pété un câble en fait. Et même du coup je stagne, hein, en fait le fessier je l'entretiens. De l'autre côté j'ai pu le travailler là pendant les 3 semaines mais là je suis revenue et tout. Je sais que bah, on va attendre cet été hein, pour retravailler tout ça. Et les diètes ne sont pas encore entre eux sur le bénéfice de l'avocat. Les diététiciennes, c'est vrai, Vince. En 3 coups de cuillère, ton avocat. Ouais, c'est clair, allez, on y va. Attendez, on va juste le peser. Non, mais non, les gars, attendez. La guacamole, vous pouvez être sûr que. De toute façon, on va mettre du citron aussi pour pas que. Attendez, on pèse. 125. Voilà, nous avons deux. Les gars, vous voyez pas, mais nous avons 200 grammes pile. 200 grammes, donc nous avons combien? 500 calories, voilà, donc c'est pour ça on va y aller mollo. Hein. Hop. Voilà, attendez, je termine ça et du coup on va écraser. Ça c'est bon. Voilà, je nettoie au fur et à mesure. Hein. Et t'as surtout. Ah, t'as ta salle privée, ok, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, et donc du coup en fait c'est comme t'as. Bah, tout est bien travaillé, j'imagine, Yodzi, donc du coup c'est vrai que c'est. Ouais, j'aime trop ta bonne humeur, toujours souriante, une bouffée de... Oh, merci, c'est trop gentil, Samuel. Ouais, merci. Ouais, merci, merci. Du coup, on y va. Allez, on y va. Donc, on fait les petits points... Est-ce qu'on fait petit point avocat ou pas? On le fait maintenant ou pas? Oui. Allez. Donc, au niveau des associations, donc l'avocat. Donc, je vous ai dit que c'était plutôt calorique. Donc, ici... Ah, mais t'es là, bébé. Attendez, du coup, on fait ça après. Je lui donne le poisson juste pour voir s'il est dans mon côté. Viens, bébé. Viens. Viens, on va montrer si t'aimes bien. Viens. Ici, vous le voyez, là. Tu viens. Merci pour le follow. Merci, Zotès. Merci pour le follow. Viens. On va voir s'il est snob. Hein. Voilà, grand moment de solitude. Merci, mon chat. Je n'ai pas mon chat, en fait. salut, tout Zotès. Écoute, fais point d'exclamation âge. Tu vas voir. Tu vas avoir à peu près mon âge. Salut, Mésia. Comment tu vas? Ouais, avec Jean Liverne, il ouvre un resto chez Wam bientôt. Ah, la galette. Attendez, McLovin. Du coup, c'est tortilla, c'est l'omelette ou les chips? La tortilla, c'est la galette en fait. Ouais, les chips, c'est les nachos, je crois.
Et j'ai 80 mètres carrés de matos chez moi, mais je suis descendue assez facilement à 112. Mais je stagne et j'arrive pas à perdre les 2 kilos. Ok. Ah ouais, non mais. Donc en fait, t'es en sèche là. Oh là là. Oh là là. Je revois la photo. Truc de fou. Écoute, deux notesses. Non, tu fais point d'exclamation. Âge, tu auras mon âge. Ouais, il faut en manger, il faut pas en manger à tous les repas. Exactement. Donc du coup, on va revenir sur la guacamole et sur l'avocat. Donc les gars, faut faire attention parce que les avocats, quand vous regardez l'origine du Mexique, celles du Mexique sont hyper polluées. Donc de préférence, vous essayez de les prendre bio pour que qu'on fasse attention. Donc parce que c'est l'or vert, un nouvel or vert. Donc du coup, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne se passe pas très bien. Donc l'avocat, on n'en consomme pas souvent, on en consomme une fois de temps en temps et une fois toutes les deux semaines. Une fois par mois aussi, ça peut être pas mal. De préférence, on les prend bio en Europe. Du coup, vous allez, les gens qui s'occupent des avocats sont quand même, des avocatiers, ils ont beaucoup, ils sont plus sympas ici. Voilà, comme Mexique ou des choses comme ça. Et donc, du coup, l'avocat, il faut l'associer aussi. Donc, si vous voulez, donc l'avocat, je vous avais dit que pour la carotte, pour récupérer la bêta-carotène, il faut que vous l'associez avec du grain. Donc ça, c'est juste parfait. Et donc en fait l'avocat favoriserait une meilleure absorption de la carotéine, enfin c'est-à-dire de ce qu'il y a dans la carotte. Donc du coup on peut essayer d'allier les deux. J'arrête, franchement. Allez les gars, on va cuisiner. Donc on y va, on écrase. Alors tu m'avais dit aussi avec la fleur de sel. Du coup on va prendre la fleur de sel. J'écrase avec la fleur de sel. Et il prend que des... Ouais bébé, non mais là il m'a snobé de fou quoi. Il m'a snobé de fou. Mais je vous ai dit, il mange pas tout en fait. Hop. Ouais. Ouais, donc Vénance, ouais la guacamole c'est juste trop bon. Mais bon, un petit peu. Voilà. Très bien. Vous voulez voir plus près en fait ce que ça donne? Top Chef, attends, donc pas faire du thing Top Chef à Genève. En Suisse? Ouais, d'ailleurs, je t'avais même pas demandé où est-ce que t'habitais. Bon, je vais pas te... non, c'est bon, ne me dis pas. Ouais, je veux bien, Yudi, ouais, ça marche. Ouais, je veux bien la photo, parce que du coup, ouais, je veux bien. Merci, oui, je veux bien la photo. Ouais, et donc le mieux pour le guacamole, c'est dans le sandwich ou chips. Voilà, c'est ça, juste une petite tartine, c'est exactement ça. Donc c'est en petite quantité. Sauf après, si vous invitez des potes et tout, vous faites un bol guacamole, c'est bon, ça va se répartir entre tout le monde. Donc là, on est ok. Avec la quetelle, non, Vince. Bah, avec la quetelle, du coup, c'est un peu sale, tu vois. Là, c'est propre. Hein. Oui, je sais. Attends, c'est plus facile. Ouais, mais du coup, là, en fait, les saveurs vraiment sont décuplées, soi-disant dans le bol carpété. Donc, du coup, attendez, je reprends là. On va mettre une poêle à chauffer parce qu'il va falloir faire nos tortillas aussi. Citron vert et du paprika fumé. Alors, attendez, on reprend un citron vert. Hop. Là, du coup, je vais pas en mettre autant que tout à l'heure. Ouais, moite, en fait, pour être bien. Hop. Voilà. J'ai mis ma fleur de sel. Voilà. Et donc, hop. Ah ouais, là, ça fait vraiment en purée. Ouais, là, ça fait purée de chez purée, hein. Bah attendez, je vous montre, du coup. Bonne journée. Ouais, ça marche, McLoving. Profite de ton dimanche, surtout. Ouais, il fait trop beau aujourd'hui. Profitez. Du coup, attendez, je vous montre. Voilà, donc ça donne vraiment purée. Hein. Là, ça fait purée. Ouais, purée de guacamole. Purée. Donc, du coup, la guacamole. Guacamole. Ouais, donc c'est purée. Donc là, du coup, on va refaire. Donc là, on va remonter dans un petit point histoire. D'accord. Donc, la guacamole, donc ça vient des Aztèques. Et en fait, c'est surtout que c'est dans la cuisine mexicaine et tout. Et en fait, ça a été, comment ça s'appelle donc, c'est un mélange, en fait, entre les Aztèques et les conquistadors espagnols. Donc, les premières traces, en fait, de notre guacamole, on retrouve au 15e siècle, un truc comme délicieux. Ça. Délicieux. 16e siècle. Incroyable. Ouais, merci, Vénance. Oh. Ouais. Il faut que vous sachiez en fait que chez les Aztèques, les femmes... Alors attendez, donc l'avocat en fait, c'est le symbole des testicules, hein, chez les Aztèques. Hein. Attendez, je vous reprends avec moi. Donc c'est symbole des testicules. Donc à l'époque, les femmes en fait n'avaient pas le droit soit de cultiver, de cultiver en fait les avocats. C'était les hommes qui faisaient ça. Ouais, je te promets. Donc ils n'avaient pas le droit de cultiver les avocats et ni de les écraser. Parce que du coup, c'était dans la symbolique, c'est j'écrase les testicules, quoi. Donc du coup, les gars, ils n'avaient pas le droit.
enfin les femmes n'avaient pas le droit de les ramasser. Bon, ça c'était chez les Aztèques. Ouais, première trace, 16e siècle, un truc comme ça. Bon, voilà. Ouais, le miam, ça note. Ouais, bon timing, advenance. Ouais, délicieux. Je suis un Aztèque. Merci, Miquette enragée, pour le follow. Voilà. Non, mais arrête, tu dis. Bonjour, Miquette. Ouais. Chez nous, c'est la Aztèque. Ouais, je suis désolée. En tout cas, voilà. Donc, les femmes, en tout cas, à l'époque, n'avaient pas le droit de. Voilà, de s'occuper de la guacamole en tout cas. Voilà, et merci de ce détail maintenant. Ouais, je sais, Florian. Bah ouais, je sais. Donc, du coup, voilà, ça symbolisait, l'avocat symbolisait les testicules. Voilà. Bon, bref. Ouais, bon, ça arrête. Allez. Ok, on continue. Donc, du coup, il me faut. Alors, dedans, donc du paprika fumé. Alors, paprika fumé qui est ici. Nous allons en mettre un petit peu. Oh, ça va être coloré et tout, ça va être super joli. Voilà. Du coup, j'ajusterai. Alors, attendez, parce que pour le dressage, donc l'avocat, le picot des gaillots, belle pousse de persil et la grenade. La grenade, la grenade, la grenade. Les gars, la grenade, hop là. La grenade, la grenade. Bon, on va en reparler parce que ça, la grenade, faut que vous en mangiez, les gars. Esteban, il a traversé les sites. Esteban, il a traversé. Ah, 1, 2, 3. Esteban, il a à travers les cités d'or. Les cités d'or. Ah, tu parles du dessin animé ? Ouais, souvenez-vous qu'elle a balancé un bon coup de couteau dans le noyau. C'était pour l'enlever. Donc, non, ouais, persil, carte du team. Tout à l'heure, en fait, tu sais, j'ai pris genre 4-5 feuilles, j'en ai mis un tout petit peu. Et je pense que voilà, il va juste y avoir une petite. Ouais, je suis d'accord, juste un petit pour la déco. Comme le diraient les inconnus, cette histoire ne nous regarde pas. Bon, on y va pour le dressage, les gars. Alors, on va mettre ça. En fait, je kiffe cette assiette, mais elle est trop sombre. Quand je fais les photos, là, sur... Attendez, on va essayer de trouver une assiette qui est un petit peu plus colorée. Même si j'en ai pas des masses. Blanche, j'arrive pas à faire sortir ça. Hop. Du coup, on prend... ah, sinon, on a celle-là. Bleu clair. Allez, bleu clair. Ouais, comme ça on va mettre. Ouais, très bien, c'est bien. Ouais, on va partir sur. Bah, sur celle-ci. Voilà. Donc, fais gaffe que ça n'explose. Ouais, non, t'inquiète, mais non, ouais, t'inquiète. Attendez, je mets ça là. Je vais en prendre un petit peu. Alors, je vais une cuillère. Voilà, je vais chercher. Qu'on avait déjà préparé, qui est ici. Oh là là. Ça va être hyper frais, franchement, ça va être super bon. Ouais, merci, ça va être trop bon. Et donc, c'est quoi? Ok, c'est donc N Sweezy. Bon, ok, j'ai pas compris. Tu me diras si je suis plus gros. Ah oui, 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 ouais, je te dirai. Tiens, ouais, je serais curieuse de voir si lui il a bossé pendant les vacances. Mais tu sais, il bossait plus à un moment. Ouais. Mais si, il avait quand même le buste. Voilà, bon bah écoutez les gars, on va partir sur une petite quantité quand même. Voilà, ça c'est bien. Le reste, nous avons mis du citron, donc c'est bon, ça ne changera pas de couleur. Le reste, on va le mettre dans une petite boîte. Parce qu'en fait, si j'ai tout devant moi, je vais tout manger. Attendez. Voilà, comme ça je sais que... Hop. Ouais, mais ça veut dire que même sur la journée, hein, sur la journée les gars, ça fait... C'est la marque d'équilibre quoi. Non, je pense que ça sera encore bon demain, on est d'accord hein. Voilà, on va le nettoyer après. Voilà, hop. On va peut-être mettre le frais. Donc du coup, attendez, nous avons l'avocat. On va mettre ça, ensuite ça par-dessus. Hop, pour ce soir. Ouais, voilà, c'est ça exactement, ma loulou. Mais du coup, ça fait quand même, tu sais, ça fait beaucoup de... Ouais, ça fait beaucoup de calories, quoi. Alors, hop, attendez, je vais étaler la guacamole. Voilà. Avec le doigt. Hop. Mais en fait, et moi je savais pas parce que du coup c'est sympa de faire les deux préparations séparément parce que moi avant en fait je mélangeais tout. Mais du coup ça va venir par-dessus. Ouais, bon, car je pense que tu aurais fait une plus belle. Bon, j'ai pas. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et du coup par-dessus. Ouais, la coriandre, donc persil, je vais mettre un petit peu, un tout petit peu. Un petit peu, un petit peu. Ouais, en fait, il va juste venir là pour décorer. Voilà. Et on termine avec nos grenades. Hop là. Donc, la grenade, les gars, je sais, c'est très chiant à éplucher. Mais c'est super bon.
pour Maya. Attends, une heure de sport. Ouais, je sais pas, Loulou. Non, du coup, cet après-midi, les gars, en fait, j'ai fait mon cartable. Et du coup, il va falloir que je me remette dans, vous savez, dans tout ça. Merci, Bigfoot. Oh, c'est, fais gaffe, Maya, tu vas prendre un millimètre de taille. Ouais, je sais, mais non. Ouais, non, surtout, en plus, j'ai abusé pendant les vacances. Franchement, bon, on a quand même, on s'est fait des trucs sympas quand même à manger. Ouais, j'ai un petit peu abusé pendant les vacances. En fait, c'est surtout mes bols de popcorn. Mais comme quoi, hein, bah, le popcorn, c'est bon, hein, ça fait pas gros, enfin, ça fait pas trop grossir. Hein. Mais j'ai pas arrêté de m'en faire, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc la grenade, c'est hyper bon. Vous savez pourquoi, les gars? Pour la libido. Donc, si vous voulez booster votre libido, vous mangez de la grenade, ok? Donc, ça fait augmenter le flux sanguin et donc on dit que la grenade est aphrodisiaque. Si j'ai assaisonné tout à l'heure. Et Sweezy, en fait, du coup, je mettrai, tu sais, juste avant, bah, avant de manger, en fait, je me remettrai mon petit sel et mon petit poivre. Ouais, juste pour, oui, si, j'ai assaisonné. Vive le beurre, là, joli, salut, comment tu vas? Oui, vive le beurre, mais un petit beurre. Voilà, donc du coup, dedans, vous avez énormément d'antioxydants, encore mieux que le thé vert, les gars. Donc voilà, donc antioxydants à mort. Là, le truc, c'est que j'ai trouvé que sous cette version-là, j'aurais préféré l'acheter plutôt en entière, en fait. Ok, ça va être chiant à éplucher, mais voilà, donc bref. Parce que là, du coup, je sais pas il a combien de jours ce truc. En tout cas, je l'ai acheté hier. Donc déjà, il a déjà perdu une journée, ça veut dire qu'il perd ses nutriments. Vous savez, quand vous coupez tout à l'avance, du coup, il y a des nutriments qui disparaissent. Voilà, donc du coup, on essaie de la prendre en entière, comme ça, voilà, ça... voilà, donc libido. Vous comprenez pourquoi? Ouais, arrête, Karl. Non, et c'est super joli, c'est super... Et c'est bon, c'est frais et tout, c'est croquant et tout. Bonjour, Sildarena, comment tu vas? Bonjour, Pénor Prat, coucou, comment tu vas? Ouais, ça va. Et du coup, on va mettre un petit peu... Donc du coup, tu m'as dit grenade, hein. Ouais, et... L'avocat, c'est bon. Hop, et du coup, ça donne ça. Peut-être que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Vous êtes contents, hein? Du coup, je vous mange le premier plat. Ouais, bah, Karl, du coup, je pense que ça aurait été plus joli avec toi, mais voilà. Donc là, nous avons notre premier plat. Donc, nous avons notre grenade. Donc, en dessous, nous avons notre guacamole. Ici, nous avons notre pica des caillots. Alors, attendez, parce que du coup, voilà, il n'y a plus de personne. Un peu, on va éviter. Voilà, donc première assiette, ouais, et je pense que ça va être très bon. Grenade plus aubergine et l'arrivée. Ouais. Eh mais oui, tu m'étonnes, hein. Attendez, du coup, il faut que je rechange. Oui, non mais grave. Oui, ça va, merci. Ouais, bon, Vénance, attends, on va s'oxyder sous son sein, la grenade. Attends, j'ai pas compris, Yodi. Par contre, c'est galère à extraire. Ouais, je sais. Ouais, ça par contre, je suis d'accord. Ah mince, c'est encore pour nutrition. Je suis d'accord, c'est hyper galère. Bah après, du coup, tu l'ouvres et puis bah ouais, c'est ça, en fait, faut y aller. Hein, mais oui, c'est clair. Ouais, c'est clair, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, merci, Karl. Ok, alors du coup... Ah, donc ça aurait été... Attends, c'est oui, c'est clair, l'assiette aurait été mieux dressée ou pas? Ah non, c'est une galère. Ouais, je suis d'accord. Du coup, les gars, on va faire notre lait. Alors ça, je vais remettre au frigo. Hop, ouais. Ça va pas. On va faire notre... Comme ça, on va faire ceviche. Et du coup, les tortillas, il serait peut-être temps, en fait, que je les lance, non? Ouais, il serait peut-être temps. Hein. Allez, on va les faire. En fait, on va faire d'abord la tortilla. Et après, on fera notre lait. Alors, voilà. Je cherche... Ah bah non. Bah en fait, il est toujours de l'autre côté. Bah oui, je l'ai toujours pas pris. Je l'ai encore oublié. Elle l'a fait. Ouais, j'essaie de dire. Sous son sein, la grenade, c'est un... Ah, c'est une chanson. Merci, Karl. Je crois que c'était ce mien. Ok. Alors, attendez. Hop. Donc, nous allons prendre un petit peu de farine. On va faire chauffer la poêle. Et écoutez, les gars, donc normalement, il faut pas... Voilà, je vais pas le faire trop chauffer. Genre une minute de chaque côté pour que la tortilla, elle reste souple. Bonjour, Barjo Apéro. Ouais, il fait beau, les gars, donc allez-y là, bah, petit rosé et tout en terrasse, là, ça peut être pas mal si vous en avez une. Ouais, ouais, je pense que la taille sera bien. Ouais, t'as pas les couilles, hein? Non, mais Kim. Merci, Yodzi. Ceviche de dorade, ouais, et avec on fait un lait de tigre. Ouais, bonjour, Barjo Apéro. Tout le monde, je tape, je peux pas suivre. Ouais, y a pas de souci. Mais en tout cas, merci de dire bonjour et de passer. Non, bah écoute, ouais, non, bah bon courage à toi surtout. Ouais, merci, Barjo Apéro.
éviter les références au second degré avec Maya. Merci Mikuta. Ouais. Attendez. Et donc, barbecue en famille ce midi. Ouais, ça va être bien. Ouais, et bah, y a bah Loulou aussi qui s'est préparé un bon petit. Ouais, bon, bref. Allez. Ouais, merci à Yodzi. Ouais, je suis d'accord. Ah, enfin, bah, je dis, ouais, c'est Yodzi qui a fait ça tout à l'heure. Ouais, grave. Et donc, barbecue en Bretagne, fake news. Arrêtez, les gars. Mais là, il fait beau partout en France. Hein, donc, normalement, tout le monde va avoir une journée plutôt ensoleillée. Hein. Le laitier d'El Tigre, ne me remerciez pas pour la minute langue étrangère. Ouais, merci Karl. Du coup, le lait de tigre, les gars, en fait, attendez, le lait de tigre, ouais, c'est le jus de la marinade, en fait. C'est quand on fait le ceviche, c'est ce qu'on appelle le jus de la marinade, ça s'appelle le laitier, oui, c'est ça, le laitier d'El Tigre. Et ça peut être aussi Pantera aussi. Donc, tigre ou Pantera, j'aime bien. C'est Pantera. J'ai traduit, ok. Donc ils appellent ça comme ça, c'est marrant. Donc le ceviche, c'est originaire du Pérou. Mais est-ce que vous savez que... Ah, j'aurais bien voulu avoir Père Castor. Baloulou, il stream? Non. Alors, attends, Barjo à Pérou, on va se mettre d'accord. Si Baloulou, il stream, je ne suis pas au courant. T'es sûr? Ouais, petit poulet au citron. Ouais, il était beau, hein. Ouais, il est super beau, hein. Moi j'ai ma mousse au chocolat, mais elle a pas assez de volume. Mais t'as pas les couilles! On arrête, Yodzi! Pantera, oui, c'est exactement c'est ça. Et donc, du coup, ça c'est le jus de la marinade. Et en fait, donc, bon, en fait, on. Voilà, donc c'est une spécialité du Pérou, le ceviche. Et il y a une journée internationale, vous savez, le 28 juin, c'est la journée internationale du ceviche, les gars. Ouais, c'est ouais, grave. Voilà, donc on retrouve le ceviche au 15e, 16e siècle. Et en fait, c'est l'alliance. Comment ça s'appelle? Non, c'était pas les femmes. Je confonds, en fait. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Si, ouais, c'est ça. En fait, je savais plus, mais c'est le gâteau. Ouais, voilà. Merci, Dou. Voilà, et donc du coup, en fait, c'est les femmes mortes, en fait. Ouais, merci, Maïka, merci, les gars. Oui, tu cuisines. D'accord, ok, je croyais que, en fait, il disait que tu streamais. Ah, comme si tu fais de la cuisine. Ouais, Barjo Apéro, franchement, viens sur le Discord. Si tu verrais, en fait, tout ce que Balou... Hein, donc, il fait fumer du saumon. Enfin, bref, et voilà, il fait plein de cuisine, de cuisine à barbecue, en fait. Ouais, c'est vraiment ta spécialité, hein, barbecue. Bah, ouais, c'est ça, le fumer et tout. Et laisse tomber, tu vois les photos. Même, il a fait des saucissons et tout. T'as juste envie de... Tu baves, en fait. Mais grave. Nettoyer sa cuisine, ouais, l'entretenir, c'est quand même la base. Attends. Voilà, et donc du coup, c'est les femmes mortes d'Espagne, en fait, de la ville de Grenade, qui sont arrivées, en fait, avec les conquistadors espagnols, en fait, et du coup, en fait, qui ont apporté. Donc, à la base, alors, attendez, je suis perdue. Bref, c'est eux qui ont introduit ce plat-là, voilà, avec du poisson, bref, ok, on s'en fout. Allez, alerte au Google, c'est vrai? Non, on l'a pas eu! C'est secret d'histoire. Arrête, non, non, du tout, c'est juste le petit truc. Non, c'est pour dire que dans la cuisine, c'est il y a plein de choses, en fait. Du coup, on a des plats aujourd'hui, mais voilà. C'est, tu sais, savoir d'où ça vient et tout, et ça existe depuis longtemps et tout. Enfin, c'est sympa, quoi. Moi, je kiffe l'histoire. Voilà. Et si tu veux, je te montre tous mes secrets d'histoire, effectivement. J'ai les 8 volumes. Ouais. Ouais, il fait béda. C'est quoi? J'ai pas compris. C'est la première fois que je vois ça, hein, les gars. Ouais, voilà. Première fois. Du coup, la lie à la cuisine. C'est hallucinant. C'est génial. Ouais, merci. Arrête, Fifi. Salut, Zaltoc, comment tu vas? Ouais. Attends, j'ai pas compris, Sweezy, j'ai pas compris. Vénance, je veux bien mettre alerte au gogo, mais du coup, il y a personne qui est passé. Ouais, fumer, c'est super bon. La preuve qu'il ne pleut plus. Ouais, il ne pleut que sur les... Ok, d'accord. Pas de soucis, c'est un gros poulet, pas aussi gros que... Ouais, ce que... Ouais, grave, celui qui est dans le congélateur. Hein. Ah, ouais. Il y en a un gros. Du coup, ma tortilla, bon, c'est pas grave, hein, elle est pas très régulière. Hop. Du coup, c'est pas grave. Par contre, je la fais assez fine. Et je vais la mettre... Donc là, normalement, ça a chauffé. Attendez, je regarde, c'est assez chaud. Ouais. Allez, on va dire que c'est assez chaud, on va dire. Hein. Salut le Lilal, comment tu vas? Moi je vais taffer. Ouais, ça, merci Barjo Apéro d'être passé. Si. Ouais, des bisous, merci. Bon courage à toi. Bon courage à toi. Du coup, je reprends main, je peux te dire que. Ouais, bon courage à toi. Hop. Bon, ouais, écoute, on a lancé la première cuisson de la tortilla. Ça devrait bien se passer. Vous priez avec moi?
Ouais, et donc, bah, du coup, donc, au milieu des deux tortillas, on va mélanger les trois fromages. Alors, j'ai eu un petit souci avec la mozza râpée, je n'ai pas trouvé, car. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une mozza et je l'ai mis au congèle, donc je vais la râper. En fait, t'aurais été... ouais, tout. Non, mais après, c'est pas grave, hein, c'est... Je t'aurais réservé des surprises, quoi. Ah mince, Karl! Ah mince! Mais merde, c'est encore Moubot! Non, c'est pas possible, Moubot... ouais, j'ai dit que j'allais changer et tout. Ouais, je suis désolée. C'est la seule cuisson. Arrête, Bigfoot! Ah oui, c'est vrai, il y a les œufs mollets. Non, il y a les œufs mollets. Et on va faire un œuf mollet, les gars. Ouais, non, il y a une autre cuisson. Ça faisait beaucoup de ça. Ouais, je suis désolée, Karl. Oh là là, au secours. La dictature nous a eu. Ouais, je suis désolée, mince. Le bot, ouais, du sable dans son vagin. Non, mais c'est clair. Hein. Non, mais attendez, il faut vraiment que je regarde. Hein. Ouais, il faut vraiment que. Ah, bah, en plus, je dis à chaque fois. Hein. Ah, j'ai regardé la douille, les gars, hier. La douille chemin de fer. Mais en fait, je l'ai. Oui, je l'ai. Donc, aujourd'hui, je peux glander devant le stream parce que j'ai fini la cuisine. Je suis pas. Ah, t'as bien. Et ça fait du bien, le lit. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi aussi, une fois de temps en temps, tu sais, juste. Tu prends un truc et hop. Ouais, je suis d'accord. Ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et bah écoutez les gars, je pense que Bigfoot, tu étais de très très mauvaise langue parce que là, en fait, la tortilla est bientôt cuite. Hein. C'est une minute de chaque côté. Bonjour. Ouais, salut Ludop, comment tu vas? Oui, ouais, comment ça va? ok, alors du coup, donc pour ceux qui nous rejoignent, donc on a préparé une guacamole avec... j'arrive pas en fait, le... J'arrive pas à retenir le mot, je suis grave. Les Paco de Gallo, ouais, c'est ça. C'est Paco de Gallo, Paco, ouais, je connaissais pas. Alors attendez, c'est Paco de Gallo, que je me trompe pas. Pico de Gallo, voilà, c'est ça. Pico de Gallo, on a mis un petit peu de grenade. Là, du coup, on est passé. On est en train de faire les tortillas, donc tortillas maison, s'il vous plaît. Dans lesquelles on va mettre du fromage, ça va fondre et tout, ça va être très bon. Et après on va terminer le ceviche, donc le ceviche il nous reste le lait de tigre à faire, ensuite on fera la préparation. Et les petits pains, d'ailleurs je vais allumer le four parce que les petits pains je vais les faire griller. Et voilà, on aura l'œuf mollet et puis voilà, alors on sera bon. Ouais Pico, merci Carmiti, ouais c'est Pico, Pico des Gaillots, ouais grave. Je connaissais pas en fait ce nom, du coup j'ai découvert avec toi. Et t'as fait... Je savais pas que tu... Ouais, c'est une douille. Ouais, je sais, Vince. Ouais, non, mais en fait, moi, j'ai des trucs, mais je sais pas à quoi ils servent pour l'instant. Faut juste que j'ai le temps de m'en renseigner. T'as gagné ton coulag. Arrêtez. Arrête, Suzy. J'ai fait une espèce de tarte au thon, tomate et chèvre. Et pour le reste, ça va être style brunch d'été. Ouais, écoute, c'est parfait. Oh là là, c'est parfait. C'est nickel, nickel. Ça va, toi aussi, j'espère. C'est très beau, mais tu vas le faire... Ouais, alors du coup, Ludop, oui, dedans, il y a du petit piment. On a mis du tabasco. Petit piment tabasco, oui, voilà, ouais, oui, c'est ça. Et après, je peux ajuster, hein. Je vais goûter et tout, et j'ajusterai. Et donc, je suis bloquée avec du thon rouge et des brocolis à la vapeur depuis 2 semaines. Oh, arrête, Yodzi! Mais du coup, tu fais tes. Bon, après, c'est pas moi qui vais te dire ça, hein, mais tu les fais les. Tu sais, les cheat meals et tout pour relancer le système? Hein. Ouais. Ah mince, ouais, c'est vrai, quand on est sur un panier, c'est juste horrible quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est juste horrible. Oh là là. Donc avec du thon et des brocolis. Ah là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est que sur... Ah, la tortilla. La tortilla, les gars. Merci, Quentin. Complet. Non, c'est bon. Les gars, c'est bon, on a une belle tortilla, vous la voyez? Merci, Quentin. Attends, parce que du coup, là, elle va refroidir. Donc, attendez, il faut qu'elle reste... Je vais la mettre dans un torchon humide. Attendez. Ah là 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 là, attendez. Ouais, merci Quentin, parce que... Oui, il y en a aucun qui me l'a dit. Hein. Non, non, j'ai pas encore fail. Les gars, je n'ai pas encore fail. Attendez. Hop là, on va mettre ça dans le torchon. On va le mouiller. Attendez, je vais mouiller un tout petit peu. Elles sont cuites, les bananas. Merci. Non, attends, 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 attends. Attendez, les gars. Déjà, on verra dans... De toute façon, si ça se transforme en chips, c'est pas grave, on est d'accord. On aura en fait des chips fromage, on aura des... non, je crois qu'elle a trop cuite. Je suis dégoûtée. Ouais, mais attends, c'est clair. Non, elle est pas cramée, je sais pas, mais du coup... En fait, bah du coup, en fait, elle, là, elle devient dure. Attendez, on va y aller doucement avec l'eau.
Oui, c'est pas grave, ça va se transformer en chips. Allez. Ouais, bon, on est au secours. Ouais, c'est brûlé. Non, c'est bon, là, les gars, c'est pas brûlé, mais du coup. Voilà, je pense qu'en refroidissant, ouais, c'est humide de chaque côté, quoi. Bon, j'arrête de vous lire. Vous savez quoi? Attendez, vous me laissez. Attendez, vous me laissez juste reprendre mes esprits. Merci, Quentin. Des Doritos, ouais, c'est exactement ça. Attends, j'ai pas dit ça mon frère. Non mais au secours quoi. Attendez, je vais, voilà, on va prendre le lait de coco, on va s'occuper du reste, hein, de nos ceviche. Ouais, attendez. Du coup, je la laisse là. Le problème c'est quand ça refroidit, si c'est... Mais c'est ça, c'est exactement ça, Karine. C'est ça que j'ai peur. Arrête. Qui a mis le chat? Elle l'a fait. Oui, mais écoute, je l'ai fait. Attendez les gars. Bon, c'est encore souple, hein. Pour l'instant, ça casse pas. Écoutez, on va la laisser là. Voilà, pour l'instant, ça casse pas. Voilà, là, je retourne vite fait l'autre. Ah, putain, dégoûté. Bon, bah écoutez, nous avons évité la catastrophe, les gars. Ça, c'est bon, ça m'a là. J'ai même pas fini mon café. Hein? Bah tiens. Hein? Ouais, froid, c'est pas bon. Toujours, c'est pas grave. Les chips, ouais, c'est ça. Donc, du coup, hein, on aurait fait des tortillas. Ouais, mais c'est pas, pas tortillas, on aurait fait des nachos. Hein. Et le chien n'a rien dit, c'est parce que tortilla en espagnol veut dire brûler. Non, non. Attends, là, je reste à côté. Non, non, non. Là, du coup, les gars, je reste à côté. Là, je l'ai prise et ma tortilla est super souple. Donc, normalement, on devrait en avoir. Voilà, écoutez, on va voir. Je ne sais pas. On récupère ça dans quelques minutes. On va juste terminer le ceviche. On va faire le lait de tigre et on va dresser et ensuite on fera les tortillas. Et donc Maya, il faut qu'elle reste humide. Ouais, c'est ça, pour pas qu'elle sèche. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai un peu mouillé le torchon, Adou. J'ai un peu mouillé le torchon. Ouais. Et donc tu dis ça pour te rassurer, Maya, que si elle devient craquante. Ouais, voilà, c'est ça. Mais attends, Michael, il faut toujours trouver une solution. Toujours. c'est du café du torréfacteur. Mais non, non, c'est pas de chez le torréfacteur. Du coup, c'est... C'est du café en fait que je trouve chez Carrefour. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ouais, c'est lui. Non, mais à torréfacteur, j'aimerais bien, mais du coup, est-ce que. Bah, déjà, j'en ai pas à côté de chez moi. Ouais, j'en ai pas à côté de chez moi. Et en fait, du coup, bah, en fait, depuis que j'ai goûté celui-ci, je n'ai pas changé. Alors que, vous savez, les gars, que pour éduquer en fait, son palais, apparemment, il faut changer beaucoup de fois de café. En tout cas, pour faire les différences, en fait, bref. Je sais plus, j'ai lu ça. Bon, bref. Ouais, et donc non, c'est pas de chez le torréfacteur. Tu as des conseils sur la préparation des assiettes quand tu cuisines? Tu fais la formation CAP cuisine? Arrête! J'ai acheté tous les livres et tout, mais laisse tomber, j'ai pas le temps de m'y mettre en fait. Mais je veux trop le passer! J'ai un souci, quand je veux présenter ma assiette, c'est souvent pas beau visuellement. Écoute, quand te plaît. Ouais, café. Ouais, ouais, Vénus, ouais, bio du coup. De la terre. Donc du coup, quand me plaît, non, je t'avoue, je n'ai pas pour le dressage. Parfois, il y a des dressages qui sont assez foirés que je fais en direct. Mais c'est vrai que pour le dressage, j'ai pas de. Bon, à part te dire, enfin, je sais, ouais, à part te dire de regarder, tu sais, un maximum de présentations, de ouais, de choses que tu peux faire. Incroyable. Ah, merci, Mikuit. Ouais. Bon, on y va. Ouais, je sais pas. Du coup, je t'avoue, je sais pas. Le volume, déjà, c'est la base. Tenter de donner de la hauteur, sinon au feeling. Ouais, c'est ça, Karin. C'est ça, ouais. Sinon, c'est au feeling. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et donc, volume, volume. Ok. Volume, volume. Ah, ça, du coup, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup dans mes... le volume dans mes assiettes. Ouais. Merci, Karin. Merci, merci. Et de la térébenthine. C'est quoi la térébenthine? Attends, la térébenthine. Si je te dis quelque chose, et du WD-40 pour entretenir vos plastiques. Joli, joli. Pourquoi tu me sors ça, là? Attendez, je range mes assiettes, donc elles ont rien à faire là. On récupérera peut-être après. Très bien, donc on part sur notre lait de tigre. Du coup, c'est celui-là, avec notre super mixeur. Donc, je reprends tes petites notes. Voilà, donc du coup, il me faut... du lait de coco, la coriandre, piment, citron vert, paprika. Ok, alors c'est parti. Du coup, on y va. Sur les quantités, je n'ai pas les quantités, mais je vais essayer de, voilà, de faire à peu près. Je pense que ça devrait aller. Donc, lait de coco, les gars. Du coup, celui-là, il n'est pas léger.
Voilà, donc nous avons quand même dans 100 grammes 169 calories. Donc du coup, on va en mettre un petit peu. Non, Vénin, non, ça m'intéresse pas. Le dressage, ça dépend vraiment. Oui, c'est ça, exactement, Yodi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et volume, volume, la chanson. Ah, de Désirless. Non, c'est Voyage, Voyage. Attends, Désirless, c'est Voyage, Voyage. Ouais, Bigfoot, c'est celle-là. Sors de suite et tu m'étonnes. Bonjour Svenon, ouais, comment tu vas? Oui, comment tu vas? Coucou. Bonjour Skyzo JB, ton conseil boisson qui accompagne ce doux repas. Alors, comment te dire? Alors, du coup, je ne suis pas du tout formée pour ça. Je ne sais. Non, du coup, il y avait Mike qui était sur le chat qui, lui, en fait, pourrait te dire en fait. Bonjour Twist, comment tu vas? Coucou. Oui, donc on a fini une guacamole. Il faut que j'arrête de parler en fait. On a fini guacamole et pico des caillots. Là, on va s'attaquer au ceviche. Du coup, je vais faire la crème. Le lait de tigre. Ça fait 10 fois. Vous savez quoi? Ça fait 10 fois que je me dis la même chose. Il faudrait peut-être temps que je le fasse. Ouais, comment ça? Mais non, pas avec ça. Et nous avons fait des tortillas. Ta-ta-ta-ta, les gars. On a fait des tortillas, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît. Hein. Un mojito. Ouais, Ludop. Ouais, je sais pas. Je m'y connais pas trop. En fait, je pourrais pas te conseiller l'autre source, probablement. Ah, Skyzo, peut-être pas. Moi, je te proposerai un verre de vin. Mais du coup, moi, je prendrai un petit verre de rosé. Mais voilà, quoi. Mais après, te dire quel rosé et tout, je peux pas. Ouais, voilà, mais non, c'est exactement. C'est l'été, il fait beau, tu vois. Compter les calories, c'est très bien, mais il ne faut pas abuser, sinon tu deviens fou. Ouais, c'est ça. Mais Yodzi, en fait, moi, je l'ai compris. Je sais que, tu sais, quand je regarde un plat et tout, je sais combien de calories il fait. J'ai encore 30... Oh non, arrête! Ah, twist! Ouais, j'imagine. Oh là là. Oh, on a le droit aux bulles? Ouais, et tu sais quoi? Je te recommande pour les bulles du Prosecco. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de calories et dans le Prosecco. Voilà, c'est une des boissons les moins calories. Alors, la boisson la moins calorique, c'est le champagne. Mais ça coûte des sous. Donc tu as le Prosecco. Le Prosecco qui est plutôt pas mal. Après, ça dépend lequel tu prends, parce qu'il y en a qui ont un mauvais goût et d'autres qui sont pas mal. Mais ouais, un petit verre de Prosecco, tu peux, oui. Oui, oui. Un vin blanc sec. Sec, Quentin, avec l'Adora, tu as raison. Ouais, sec, oui. Avec le... Oui, complètement. Duo annulé, Calordi a préféré ce succès que de Costa... Ah Bigfoot, t'es pas gentil. T'as vu, Carl, ce qu'il a écrit, Bigfoot? Que ton ordi l'a préféré se suicider que de co-streamer avec moi. Bigfoot, t'es pas gentil. T'es pas gentil. Ouais, Prosecco qui a percé avec le cocktail. Ouais, qui a percé avec le cocktail d'Italie, là, avec l'orange. Du coup, j'en prenais il y a 2-3 ans, mais comme tu sais, j'élimine les calories. Donc, l'apérol, ouais. Bah, du coup, en fait, j'ai arrêté de mettre l'orange, l'apérol et tout. Donc, juste Prosecco nature, c'est parfait. Oui, Skyzo, ouais, tu le trouves en supermarché. Et Maya cache les bonnes bouteilles. Ouais, non, j'ai pas... Ah, si. Alors, j'ai quelques bouteilles de vin, en fait, qui m'ont été offertes au fur et à mesure des années. Il y en a une, là, que j'avais dit, j'avais goûté, là. C'était quoi? C'était pour mon anniversaire, l'an dernier? Ouais, mais du coup, ouais, non, j'ai pas trop de... Ouais. La triste réalité, Bigfoot. Arrête, cardétique. Ok, bon, arrêtez, les gars. Là, vous êtes pas gentils. Attendez, du coup, on y va, pour ce nez. Hop. Hop là. Alors, on va mettre du lait. Donc, on a notre petit piment qui nous reste. Donc, on va mettre un... Je vais prendre un petit peu. Non, mais Bigfoot, il n'est pas gentil, en fait. Et en plus, Carl, il confirme. Arrête, l'artiste. En plus, il confirme. Non, mais au secours. Il est pas mal, le Chirin Rosé. C'est un IGP. C'est pas la police qu'on appelle. Ah, c'est le FBI. Merci, Bigfoot. C'est le FBI. Joli, joli. Donc, attends, du coup, attends, Lyoti, déjà, je reprends. On retrouve ça facilement. Oui, on trouve le Prosecco, tu le trouves facilement, il n'y a pas de souci. Je devais passer au-dessus des 3880 pour prendre juste 200 grammes par semaine. T'es en prise de masse? Ah ouais, je croyais que t'étais en déficit. Ok, d'accord. Non, mais la fille qui comprend rien. Ouais, ah, attends. Et donc, pour prendre juste 200 grammes par semaine. Non, là, t'es en perte. Là, tu cherches à perdre des 2 kilos, hein, c'est ça, hein? Non, mais attendez, là, je suis... ouais. Et donc, du rosé. Attends, le Chirin rosé, je connais, c'est un IGP et à portée... Ah, bah écoute, joli, joli, je note. Hop. Voilà, c'est noté. Merci. Bonjour, Spyco, comment tu vas? Ouais, ça va. Et donc, le Mathusalem champagne. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Bah ouais, mais attends, bah Loulou, nous n'avons pas la même... ouais, toi, t'as des bonnes bouteilles, hein. Et donc, j'ai retrouvé ma tour accrochée au lustre au réveil.
Ah, pas à cause de moi, on est d'accord. Hein. Mais tu es un troll de l'int. Attends, à Bigfoot. Ouais, t'as vu Pénard Pratt. Ouais, t'as vu, hein. Oui, je suis d'accord. J'étais là, je suis en sèche. Ouais, c'est ça. Donc t'es en sèche depuis un mois et demi, c'est ça. Oh là là, et il reste 2 kilos. Ouais, 2 kilos, ça fait quand même 14 000 calories. Ouais, ouais, merci pour le follow. Merci Protoxy. Merci pour le follow. Du coup, les gars, il faudrait peut-être que je m'active, non? Attendez, on va faire les choses bien. Je vais prendre mon petit verre doseur. On va mettre 5 centilitres. Comme ça, du coup, ça ne fait que 80. Là, on a 80. Voilà. 5. Et comme ça, du coup, on va faire un tout petit peu. Toi, t'as... Ah oui, ma bouteille. Je vois pas ce qui te permet de dire ça. Vas-y, les bêtises que tu dis, Bigfoot. Alors, attendez. Du coup, je vais couper en tout. Bah, ah non, bah, si, je vais couper en tout petit parce que, du coup, ça, je suis pas sûre que ça mixe des masses comme je vais pas mettre une grosse quantité. Voilà. Donc là, j'ai mis un tout petit bout de piment. Voilà. Oh là là. Vous êtes prêts pour l'ascenseur? Syrah, ok, ouais, si, je vois, Syrah, si, j'avais compris. Et c'est un extrait de Cauchemar en cuisine. Mais arrêtez les miens, arrêtez. ou le Jéroboam, je sais pas, bah Loulou, je crois que c'est, attends, il y a l'équivalent de 2 bouteilles. Donc, je suis pas sûre que ce soit Jéroboam, ouais, je suis pas sûre. Allez, 5 centilitres, du coup. Là, j'en ai 3. Ok. Ah, ça va être bon, ça va être très bon. Là, 2. Très bien, nous avons les 5 centilitres, les gars. Ok, ensuite, je reprends mes notes. Donc, coriandre, nous n'allons pas mettre de coriandre. Nous allons mettre juste, mais à peine, une pétale de persil. Et citron vert et paprika fumé et sel. Ok, ça marche. Ok, ça, on va mettre le sel. Citron vert, du coup, on en a là. Je récupère. Et non, il en faut... Ah ! Il en faut plus pour que ça mixe bien. Ah oui, mince ! Ouais, je sais. Ouais, c'est Magnum, alors. Ouais, c'est ça, Baloulou. C'était... Alors, du coup, ça donne 5, hein. Ouais, ça donne... Donc, il restera les petits bouts de piment. Donc, tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est parce qu'après, ça fera trop de calories. Ça donne ça. Donc, du coup, j'ai mixé après. Et le... Ouais, c'est ça. Ouais, Baloulou, en fait, du coup, ouais, je suis pas du tout... Épineuil, département 89, à côté de Tonnerre. C'est ça, chaque stream, saison 27. M'arrêtez, les gars. ouais, donc du coup, ouais, écoute, je vais tester avec ça. J'avoue que... Après, il est hyper efficace, mon mixeur. Bon, on va voir. Donc, si tu veux un vrai vin rosé bourguignon, va à Épinal. Ok, alors attendez, les gars, parce que là, je vais noter. Moi, je vais essayer de reprendre mes cours, là. Je sais pas si le caviste, il va refaire... Vous savez, ces dégustations, là, j'aimerais bien reprendre. Et tu viens d'aménager... Donc, Spyco, tu viens d'emménager dans ton nouvel appart. Ouais, écoute, et tes chats sont paniqués. Ouais, il faut leur laisser le temps. Ouais, bah écoute, bon emménagement. Oh là là, oui, bon emménagement, parce que je sais que... Oh là là, au secours. C'est pour ça que je veux plus déménager. C'est que dans les... Ah oui, non, bien sûr, il n'y a pas de troll. Ouais, non, c'est que dans Seigneur des Anneaux. Exactement, ouais. faut du volume liquide pour que ça mixe bien. Ok, pourquoi tant de méchanceté? Ouais, t'as vu, Michael, ils sont pas gentils, hein. À la fin de la compète, je crois que je vais me faire... Ah, tu prends pas du tout d'alcool, Yuzi? Bon, tu sais, moi, quand j'étais en déficit calorique, je me prenais quand même un petit prosecco. Ouais. Est-il normal que tes joues prennent la couleur de ton pantalon? Ouais, bah, écoute, Skyzo, du coup... alors, ça, c'est la... Donc, la lumière, je pense qu'elle est pas hyper bien réglée. Et là, j'ai commencé à faire une petite séance de bronzette hier. Donc, du coup, ça serait bien que... Voilà, que ça commence. Mais normalement, je bronze marron. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pas bronzé marron. Ouais, donc je pense que c'est juste le début en fait, voilà, on va s'y mettre petit à petit. ouais, voilà, et donc Twist, il m'a dit, salut Karl Top Chef, petite question, Studio 89, garde contact avec toi et les participes. Ah, oui et non, ok, ok, bah les gars, bah, je vous laisse. Mais ouais, je ne sais plus, ouais, ouais. Très bien, écoutez, on y va. Donc nous avons tout, il nous manque le paprika fumé, on va mettre un petit peu de paprika. Voilà, on va mettre ça et je pense que j'ai tout. Allez, vérifie bien. Ouais, du coup, ça avait été ma recette, c'est pas grave, je vérifie. Ah non, il manque le citron vert, on a toujours pas mis le citron vert. Voilà, j'ai mis un quart, hein, je pense, pour les 5 centimes, ça devrait bien.
Tu n'en as pas mangé assez. Ouais, les carottes. Ouais, si, pourtant j'en mange beaucoup. Hein. Ouais. Mais normalement, ouais, c'est bronze marron. Ouais, bon, écoutez. Un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Samuel, le vin rouge. Hein. Pas le rosé et pas le blanc. L'alcool, c'est mal. La dernière fois que j'ai bu, j'ai pris 8 mois. Non, c'est pas bien, Pénophrate. Non, mais c'est une blague, j'espère. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ok, toi t'as bronzé en 24 heures, c'est vrai, ouais Twist, normalement je bronze en 24, mais là du coup en fait les gars je pense que c'est, vous savez à cause de l'histoire de mon nez, du masque, du coup en fait je dois mettre une crème quand je m'expose au soleil, je dois mettre une crème et donc du coup je me demande si c'est pas ça qui empêche, ouais qui m'empêche de bronzer comme d'habitude. Vous rappelez l'an dernier comment j'étais bronzée de ouf, c'était trop bien, quand le confinement l'an dernier c'était juste trop bien quoi. Attendez. Non j'ai pas fait, attendez je suis désolée les gars, j'ai lancé le truc direct. Vous êtes prêts, petit verre, voilà, petit apéro, on s'installe. Ah, c'est faible printemps, d'accord. Okay. J'ai fermé, ok. Je pense que ça a bien mixé. Nous allons avoir la surprise. Le rouge, les romains. Alors, attendez, j'avoue, tu es rouge. Bah, écoutez, les gars, c'est pas possible. Ouais. Je suis rouge. Ouais, mais c'est ça, en fait. Du coup, bah, ouais, j'ai peut-être mal bronzé, en fait. Ouais, et donc, Pénarprote, c'est pas une blague. Ok, d'accord. Donc, on fait attention, hein, s'il te plaît. C'est vrai, les gars, mais oui, je vois que je suis rouge, en fait. C'est quoi le délire? Ouais, c'est quoi le délire? Je règle la balance couleur de mon écran. Attends, balance. Elle s'arrête jamais. Ça dépend où tu mets ton nez. Ouais, alors attendez. Bon, la lumière ne doit pas être bien. Alors attendez, les gars, on fait lumière de star. Attendez. Hop. Il y a eu le bouton. Ouais, j'étais peut-être trop sur le orange. Du coup, ça met. Ah ouais. Oh non, du coup, vous me voyez grave. Attendez, on met un peu plus de lumière là. Bon, tant pis les gars, vous avez un petit peu d'orange, c'est pas grave. Hein. Je sais pas ce que ça donne, c'est à cause du legging. Ah, mais je suis pas rouge, vous m'embêtez les gars, c'est vrai. Bon, bah écoutez, bah non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, alors attendez, du coup, c'est bon, on repart parce que là, ça fait vachement sombre. Attendez, je mets un peu plus. Hop. Ouais, là, c'est bon. Là, attendez, là, je pense qu'on est bien. Voilà. Bon, ça a changé quelque chose ou pas? Non. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais, je suis rosée, c'est exactement ça. Quelqu'un l'a flatté trop fort. Oui, du coup. Et donc, en fait, les gars, ce qui se passe. Voilà. Donc, du coup, en fait, je rougis beaucoup. Enfin, je rougis, non. Voilà. Ici, ça, je vous ai dit qu'il faudrait que j'ai mon petit brumisateur en classe pour éviter que. Voilà, de chauffer trop mon nez. C'est bon, la première en tout cas. Fois, ça, les gars. Ouais, grave. À la première fois. Ouais, ça vient, je suis d'accord. Nous allons passer au dressage. Du coup, alors attends. Attends, je regarde pour le plat avec coriandre et grenade sur le dessus. Ok, ça marche. Alors, on va prendre une assiette, les gars. Donc là, nous allons dresser notre ceviche avec le lait de tigre. Hop. Et je pense que ça va pas mal. Ouais, mais écoutez, ça a mixé, les gars. Il y a, bah là, vous voyez pas, mais hop, il y a plus rien. Ouais, il est trop bien, elle surchauffe. Mais ouais, Twist, t'étais pas là quand j'ai raconté. Donc du coup, en fait, j'ai pris rendez-vous avec le dermato et donc je lui ai expliqué mon nez. Et en fait, il m'a dit que c'était les effets secondaires, tu sais, du masque. Du fait que comme je parle trop, en fait, comme je parle toute la journée, en fait, en tant que maîtresse, du coup, en fait, mon nez, il chauffe. Et donc, il m'a dit que la solution, c'était d'avoir un petit brumisateur, tu sais, pour apaiser mon nez. Non, Thomas Pesquet. Non, pas Thomas Pesquet. Du coup, on se fait comment, le petit ceviche? On va mettre ça en bas. Ah, est-ce qu'on ne mettrait pas dans l'assiette bleue? Là, du coup, on met dans l'assiette bleue parce que là, du coup, ça va ressortir. Ouais, attendez. Ouais, et donc, du coup, en fait, il m'a donné une crème, mais à la campagne, bah, du coup, ils m'ont dit qu'il l'avait, mais en fait, il ne l'avait pas. Bref, ça a été toute une histoire. Donc, du coup, je n'ai toujours pas ma crème pour me soulager. Et il m'a dit qu'au pire du cas, bah, en fait, ça devenait vraiment très, très disgracieux. Il y avait des opérations pour ça. Voilà, donc j'avais dit merci le masque, merci le Covid.
Merci d'avoir choisi le métier d'enseignante. Voilà. La totale. Consomme plus que ma voiture. Bah après, ouais, mais bon, ma soeur aussi, elle consomme. Bon, voilà. On va dire que, ouais, je peux prendre 2-3 verres. Enfin, ça, c'est clair. Hein. Mais bon, de là à arriver là, non. Et ouais, c'est exact. Bon, bref. Et donc, il n'y a que des éléments perturbateurs, c'est pas gagné de réussir sa recette. Ah, oui, t'as vu ce qu'elle... T'as vu ? Je suis d'accord, t'as vu, il faut que ça me perturbe. On va chercher la dorade. Du coup, on va mettre le four en marche. Hop. Et on va lancer une casserole d'eau pour faire l'œuf mollet. Les gars. Bon, la dernière fois, j'avais pas réussi. Il fallait faire le tourbillon, hein, c'est ça, hein. Ouais, j'avais raté. Ok, voilà, on y va. J'ai faim! Non, en fait, non, j'ai pas faim. Là, mon ventre est en train de se nettoyer. Ouais. Donc, je pars. Salut Ludo, comment ça va? Mais pourquoi Fifi n'est pas content, Bigfoot? Pourquoi? On fait grève alors. Ouais, t'as vu Twist? Ouais, je suis d'accord. C'est la marque de fabrique des moniteurs de ski, Maya. Attends, c'est qui ça? C'est qui? Attends, c'est quoi le œuf, sel et beaucoup de vinaigre? Ouais, donc ça, c'est dans l'eau, hein. Donc du vinaigre, ok, vinaigre, du coup il est là, donc tu, hop, du vinaigre et du sel, mon sel, hop, ok, voilà, donc du coup on va mettre dans un petit récipient, et Karl, du coup il faut que je tourne pour l'œuf mollet, non c'est pas poché mais mollet, ah mince. Attends, ça va partir en bagarre chaque dimanche. Non, non, du tout. Hein. Salut Ludo, ouais, ça va. Ouais, tu viens de te réveiller. Je parlais du nez rouge, mais c'est pas possible. Ah, c'est la marque de fabrique des moniteurs de ski. Ah, ok, d'accord, ok, vous l'avez dit. Bon, écoutez les gars, ouais, je suis perturbée là. Donc c'est pas. Ouais, donc tu m'as dit, c'est pas poché, c'est mollet. Ah, bah oui, alors donc du coup, c'est bon. Très bien, merci. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est monté au cerveau. Merci Karl, c'est monté au cerveau. je vais mettre. On va attendre que ça bouille, du coup on mettra notre œuf. Bah 5 minutes, même pas, ils sont minuscules. En fait, je sais pas ce qu'ils ont ceux-là, ils sont tout petits. Du coup, bah, je pense qu'on va mettre à peine 3-4 minutes, hein. Vraiment. Hein. Cook, les œufs mollets, ça me rappelle mon premier cours. Ouais, je sais, Pénarfat. Non, non, du coup, en fait, je suis un peu perturbée, mais non, c'est bon. J'ai compris. Oui, dans la coquille, ouais, j'ai compris. Bon, ouais, bon dimanche, le Lonio, bon courage à toi. Donc ça va, je cherche un menu pour le déjeuner. Ouais, attends, et j'en étais sûre qu'elle confondait la cuisson des œufs. Vite, ouais, mais du coup, ouais, je suis un peu perturbée là, les gars. Merci, merci, merci. Hein. Ouais, je voudrais. Ouais, écoutez, essayez de lire le chat, de cuisiner en même temps, de raconter des choses en même temps et on en discute, ok? Voilà. Alors attendez, donc ça c'est bon, du coup, il va partir là. Et je vais chercher la dorade. C'était ça la base que je devais faire. Allez. Donc la dorade, elle est là. On va préparer notre petit mélange de fromage aussi. Donc nous avons la dorade qui est ici. Ah là là, ça va être super bon. Ça va être super bon. Du coup, ouais, je vais mettre tout ça par-dessus. Je sais pas comment on va faire ça comme ça. Je vais les faire un peu se chevaucher. Ah là là. Voilà. Merci. Attendez. Hello, salut Adrienne Tinovar. Ouais, t'as eu le sub, donc c'est grâce à Yodzi. Ouais, grave. Donc, ouais, comment ça va? Bah écoute, nous ça va. Ouais, ça va, ça va. Le chat me perturbe, mais tout va bien. Ouais, attends, merci Atmaya. Non, je t'en prie, Lolo, repose-toi bien, ouais. Vers l'infini et l'au-delà. Bah attendez, bah ça c'est la quatrième dimension. Vous voulez la quatrième dimension, les gars? Ça y est, tu viens pour la cuisson de l'œuf. Gros moment technique. Arrête Bigfoot. Bah là du coup non. Parce que là du coup c'est pas le mollet. Donc là c'est bon. Là je vais le réussir. Enfin j'espère. j'espère les gars. Hop. Voilà. Bon bah écoutez, pour l'instant j'ai juste fait ça. Ah oh, j'aurais pas dû bouger. J'aurais pas dû bouger la sauce. Du coup ça n'est pas propre. Et Bigfoot, tu pourrais dire qu'on a cuisiné quand même la tortilla. Merci. Ouais, et du coup, on va pas se mentir, les œufs mollets, c'est juste un mec qui avait pas assez cuit les œufs durs et du coup, il a. Excellent, Taylor Pratt. Ouais, excellent. Excellent, excellent. Voilà, attendez, on va remettre. Bah, du coup, le persil, là, je sais pas si j'en ai. Hein. Si, ça donnera du vert.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que je peux me permettre de mettre zeste de citron? Car comme ça, du coup, je mets pas de zeste de citron vert. Comme ça, du coup, je mets pas de... Le persil, j'ai pas envie d'en mettre, hein. Ouais, je sais que ça aurait été plus joli, mais... La tortilla, elles sont là, ma loulou. Elles sont là, elles sont là. On va faire le mélange fromage et après, en fait, on va remettre à la poêle, du coup, pour que le fromage y fonde. Bonjour Camille Chèque, comment ça va? Ouais, coucou. Le gift chat. Non, elles sont pas failles, pourquoi? Camille, et le prosciutto, c'est à mettre au frais. Le prosciutto, c'est le jambon? Oui, le jambon, tu le gardes au frais, schizo. Ouais, tu le gardes au frais. Et si c'est mollet poché, c'est quand tu mets l'œuf dans l'eau sans la coquille. Oui, il y a une différence. Ouais, c'est exactement ça, Camille Chef. Ouais, donc mollet, du coup, en fait, il sera un petit peu mou, en fait, mollet. Et poché, du coup, c'est quand tu fais le tourbillon que je n'avais pas fait la dernière fois. Donc, du coup, il avait du mal à se mettre en route. Et donc, quand c'est noir, c'est que c'est cuit. Ouais. Bravo, Vince. Bon, allez, les gars. Du coup, il faut qu'on mette le pain. C'était pour quoi, le pain? Non, j'ai les tortillas. Du coup, le pain, le toast. Ah, c'est avec l'œuf mollet. Oh, merci. Merci Twist pour le sub à Camille Chèque. Ouais, merci. Merci Twist pour le sub, merci. Non, mais 6 minutes. Ah, je mets quand même 6 minutes, car même si c'est tout petit. Ok. Ok, ça marche. Merci Twist. Merci. Si tu voulais faire la version avocado. Ouais, ok. Bah si, il me reste... Bah tu as raison, on va le faire. On va le faire. Hop. En plus, il me reste de l'avocat. Il reste du guacamole. Hop, on va partir sur deux tranches. Alors, on va mettre plutôt à 200. Je vais mettre à 200. Genre 5 minutes. Merci pour le follow. Et merci Twist. Merci pour Seb. Merci pour le follow. GTO 91350. Écoute, là, on est du côté de l'Amérique latine. Du coup, on a fait un guacamole. On a fait un ceviche qui est ici. Là, je vais finir la préparation. Donc, du coup, on a travaillé la dorade ici. On a coupé en bah comme des sashimi en fait. Du coup, on a fait un lait de tigre. Ici, on a fait un pico de gallo et guacamole. Et on va terminer avec un avocat toasté. Avocado toast. Un avocat toasté. Ouais, merci. Et donc, merci Triste. Et il faut que tu puisses retirer la coquille. Ouais, donc il faut quand même qu'il y ait 6 minutes. Alors. Ok, bon, j'attends que l'eau elle bouille et après on mettra l'œuf, les gars. Donc ça, on va laisser à peine 5 minutes. On va terminer ça. Hop là. Allez, oh, je vais prendre un zeste. On va prendre du citron vert. Du coup, ça va nous mettre un petit peu de couleur dans l'assiette. Et on va mettre nos grenades aussi. Arrête, Bigfoot, pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Bon, parfois, les gars, parfois, coucou Jeanne. Il se balade. Tu fais comment pour choisir? Tu sais que tu le touches en fait. Là, je commence vraiment à m'améliorer de fou. Hein. Faut que tu le touches. Ouais, et déjà la couleur aussi, ça peut être pas mal. Et tu le touches en fait. Tu sais, tu essaies de sentir s'il est moelleux à l'intérieur, mais pas trop en fait. Ouais, et pas trop ferme. Il y a un compteur de recettes réalisé par Maya depuis. Non, Twist, non. Par contre, je peux te retrouver. J'ai ma liste. J'ai fait des dossiers. Vous savez. Non, attendez, je vais avancer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des dossiers en fait de tous mes lives. Donc du coup j'ai les dossiers période 1, recettes de cuisine période 1, période 2, période 3. sinon Twist en fait là depuis le mois de novembre, c'est là où j'ai commencé à changer les gars, je sais plus. Novembre sur Instagram en fait je publie, t'as que les photos. Après je détaille pas les recettes parce que sinon c'est un peu long. Mais ouais donc du coup j'ai ça, c'est sur Instagram. Voilà, j'en mets juste un petit peu, pas trop. On va juste avoir un petit peu de vin dans l'assiette. Voilà. Hop. On est bon les gars. Et donc, Doom, Twist. Ouais, saison 1. Mais c'est ça, Twist. En fait, du coup, je fais comme tu sais qu'elle est les périodes avec les enfants, en fait. Période 1, donc c'est de septembre à octobre. Donc là, j'ai commencé à faire ça depuis septembre. Mais l'an dernier, en fait, pendant le confinement, bah, du coup, il n'y a pas de période où je l'ai pas fait. Mais j'ai toutes mes recettes du début. Hein. Franchement, pff. Mais voilà, ça me fait un dossier comme as, quoi. Il faut prendre le petit morceau. Ah, merci, Carl, oui. Merci.
Et s'il rentre tout seul, c'est qu'il est mieux. Merci. Bah, tu vois, je savais même pas, moi, je vous ai touché. Merci, Karen. Ouais, c'est trop bien. De post photo sur Twitter, lien avec Insta. Twitter, tu penses Twist ? En fait, Twitter, j'y connais rien, quoi. En fait, je suis tellement nulle dans les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, quoi. Oh, merci, Doom. Merci pour les tortillas. Merci. Reçu alors. Ouais, merci, Doom. Oui, les tortillas sont... Ah, on vérifie ? Allez, on vérifie, les gars. Ouais, c'est bon, les gars, elles sont molles. Ouais, donc c'est bon, c'est réussi. Merci, Doom. Ouais, on est bon, là, les gars. Bon, ouais, merci, merci, merci. La T-O-R-T-I-A-L. La quoi ? La tortilla. Non, mais allez, bah, Loulou, merci. Oui, c'est réussi. Merci, les gars. Je tweete la photo. Donc, il n'y a rien à connaître. Ok, donc je tweete la photo. Et c'est que toi qui rappelle la dernière fois quand j'ai... Oui, c'est ça. Oui, c'est... Oui, Twist. Ouais. Et donc, t'avais retweeté. C'est ça. Ok. Ok. Donc, du coup, en fait, je... Parce que... ouais. Donc, en fait, Instagram est relié à Twitter. Donc, quand je publie sur Instagram, il n'y a que le lien qui est publié sur Twitter. Et ça, c'est pas intéressant, en fait. Donc, du coup, il faudrait que je publie... Bah, je fais les deux publications, en fait. Hein. Bonjour, Stevie. Comment ça va? Ouais, il est là, le frisbee. Non, il est là, il est là. Tortilla, tortilla, les gars, tortilla maison. Eh oui. Attendez, au bout de la dixième fois, il serait peut-être temps que je réussisse une tortilla quand même. Allez, hop là. Du coup, je mets ça au frais et je vais vous montrer. En fait, il y aurait juste la grenade à mettre par-dessus. C'est ça, on met de la grenade. Hein. Ouais, ça, ok. Et coriandre, grenade. Ok, donc on va mettre un petit peu de grenade. Donc les gars, je vous rappelle en grenade. Hein. Chaque réseau. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, arrête, si, mais non. Ok, ça marche, Carlotine. Donc du coup, il faut vraiment que je mette aussi sur Twitter. Ok, bah ça marche, les gars, c'est noté. Oh là là, mais vous imaginez pas. Ouais, on va dire. Ah, on va dire oui, ouais. Ok, bon bah voilà, les gars, c'est bon, on a notre petit ceviche. Ouais, je pense que ça va être très très bon. Donc merci, merci Karl, franchement, merci beaucoup. Hop, ah là là. Voilà, je vous le montre. Du coup, voilà, on peut le dresser différemment. Je suis complètement d'accord. Ouais, merci Vénin. Moi, si je vous l'ai mis, c'est que je sais que je le suis. Attention, voilà. Donc du coup, on a le ceviche qui est ici. Ceviche, donc du coup, nous avons mis du lait de coco, il y a du paprika fumé, il y a du petit piment. En fait, du coup, tout a été mixé et je suis très contente. Merci, tu es un super mixeur, je n'ai rien à dire. Voilà, donc tout a été mixé. Oh, merci Adrientinova, merci. Merci pour les cheers. Non, mais c'est ouf, merci. Ouais, mais vous êtes adorables. Merci les gars, vous êtes vraiment adorables. Pour ton OnlyFans, je te laisse gérer. Ok, mon OnlyFans. Ok, attends, j'ai pas compris le mot. Oui, j'ai pas compris. OnlyFans. Ouais, je sais, tu veux dire tous les messages que j'ai en privé. Ouais, ben, ça fait beaucoup, les gars. Hein. C'est vrai que, du coup, voilà, je gère au max. Ouais, c'est du taf, hein, c'est vraiment du taf. Hein. Je pense que je dois passer, allez, ouais, deux voire trois heures par jour sur... ouais. Et ce tortilla, il se trémoussa à croire qu'il avait mal au ventre. Attends, ouais, merci à Adrientinova. Merci beaucoup pour les tirs, merci, merci. Non, je déconne. Ah, oublie, ok, ça marche, Twist. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai pas compris pour l'OnlyFans, hein. On m'avait jamais dit ça, je suis un super mixeur. Ouais. Non, mais car... Bon, attendez, les gars. Du coup, il y a l'eau qui est en train de bouillir. Donc, attention, nous allons lancer le chronomètre. Parce que nous allons faire un œuf mollet, s'il vous plaît. Alors, attendez, ça, c'est... Il va falloir que je range, là. Ça y est. Je sais, vous savez, quand j'ai commencé à parler dans tous les sens, c'est que ça y est. Là, il faut que je range, là. Il faut que je range. Voilà. Enfin, à parler dans... Enfin, je me comprends parce que je parle tout le temps, en fait, mais... Attendez. Du coup, ça y est, enfin, je le lave. Ça, on va faire juste après. Ouais, là, je suis en PLS, comme on dit, comme je dis si bien. Hop là. Là, on est bon. Ok, ça, je range. Et là, on prend notre œuf. Ouais, les gars, ça y est, il y a eu la perturbation dans le cerveau. Mais ah, c'est vous qui me perturbez, les gars. Arrêtez. Fancest, celui de Big Vueux, tu es pas prêt. Pour l'OnlyFans, c'est celui de Big, vous êtes pas prêt. Ok, mais les gars, vous savez que j'ai toujours pas compris ce que c'est que le mot OnlyFans. Hein. Ouais, merci. Ouais, t'as vu, Benance, ils sont gentils. Hein. Ouais, ils sont adorables. Combien de demandes de mariage j'en ai? Ah, ouais, Twist, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc,
voilà. Et de numéro de faune. Bah écoute, Twist, faune. Du coup, non, j'en aime pas tant que ça, faune. Après, j'ai beaucoup de... oui, Ah, c'est ça, OnlyFans. On est parti. Du coup, l'œuf est immergé. Attendez, on y va. 5, 4, horloge. Là, je demande même pas... ok, Google. Non, bah vous voyez, même pas. Allez, 5 minutes. Maya. Merci, c'est gentil, les gars. Merci, merci. Hop là, attendez. 5, hop là, c'est parti. Oh, j'ai mis 5 minutes. Ouais, ouais, Twist. Ouais, du coup, après, c'est merci, Vince. Ouais, c'est gentil. Après, du coup, c'est vrai que bah, c'est dur, en fait. Enfin, c'est dur. Non, de toute façon, bah, j'ai choisi. Hein. Oh, merci, les gars, vous êtes trop gentils. Oui, j'ai mis le vinaigre. Ouais, j'ai mis le vinaigre, car... merci, arrête, Baloulou, merci. Merci pour les tirs, les gars, mais vous êtes ouf. Hein. Bon, bah écoute, Karl, ton menu a l'air de plaire. Ton menu plaît. Ouais, et donc, Adrienne Tinauer... Attends, d'où je manque pas... OnlyFans, c'est un site où les filles, principalement, vendent des vidéos. Ah ! Ok ! D'accord ! Ouais, non, ça, je fais pas, en fait. Non, je fais pas. Non, non, je fais pas. Bon, à la rigueur, ça peut m'arriver si... voilà, si j'envoie à quelqu'un... Oui, mais après, du coup, j'ai pas un site dédié à ça, quoi. Vous savez tout. Hop là. Mais bon, j'en vais en toute sécurité, hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais je rigole, en fait. Non, non, c'est chaud, quand même. Non, non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on est... Il y a beaucoup de jeunes filles qui font ça. Ça y est, je viens de comprendre. Ouais, il y a beaucoup de jeunes filles qui font ça et elles se rendent pas compte que voilà, ça peut avoir des conséquences plus tard. Bon, sauf si on assume. En fait, si on assume à 100%, il n'y a pas de souci. Bah, arrêtez, les gars. Merci, Bigfoot. Merci pour le sabbat vénance. Merci. Merci. Dis pas ça. Non, 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 t'inquiète, Twist. Non, non, de toute façon, je dis ça, c'est pour blaguer. Et non, c'est surtout que ouais, c'est surtout, les parents devraient beaucoup parler de ça avec les filles. Parce que les filles, bon, elles font pas attention. Enfin, elles ont envie de se marier et tout. Voilà. Et donc, du coup, ça peut leur porter préjudice après plus tard. Sauf si elles assument, comme je dis. Si elles disent que, ok, je fais les photos et puis plus tard, si ça ressort, je m'en fous. Ok, pas de soucis, ça je suis d'accord. Mais après, c'est vrai, quand on est jeune, on sait pas forcément... Voilà. Surtout qu'avec Internet aujourd'hui, mon Dieu, au secours, hein. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qu'on peut récupérer, quoi. Ouais, et qu'est-ce que... Mais non, mais je rigolais, les gars. Non, mais je rigole, les gars. Ah, c'est vous qui avez commencé... Bah, vous me trollez. Moi, j'aime bien vous troller aussi, quoi. Non, je rigole. Non, je peux vous dire que non. Non, non. Enfin, en plus, je vous ai dit comment... Mes premiers rencarts, comment ça... Enfin, mes premiers rencarts. Si j'ai rencard, comment ça se passera? Donc, non, vous inquiétez pas. Ouais, et en plus je suis maîtresse, donc autant vous dire que les gars, c'est juste pas possible que je ne retrouve pas. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est clair. Merci. Ouais, merci. Merci, Bigfoot. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Les gars, vous êtes trop gentils. Ouais, je vous reprends. Plus, j'ai pas compris. Après, on peut faire un OnlyFans de deux rooms. Ouais, voilà. Bah, ça me plaît bien. Ouais, ça, je suis d'accord. Là, ça me plaît bien comme il faut. Merci, Doom. OnlyFans de deux rooms. Ouais, tu m'étonnes. En plus, on avait différentes couleurs et tout. Hein. On avait les arcs-en-ciel. Hein. Ouais, et donc, on va en photo. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis maintenant, il y a chez. Comment ils appellent ça? Vous savez, les nouvelles. On peut prendre des photos de stars et les mettre sur des corps de. Voilà, bref. Voilà, donc faut faire hyper attention, quoi. Oui, donc s'il y a des parents qui me regardent, n'hésitez pas à en parler avec vos filles. On sait que c'est pas forcément... Les parents, ils parlent pas assez de... Bon, bref. Hein. Ouais, il faut en parler. Hein. Hop. Hop. Voilà. Bon, bah les gars, c'est bon. Là, je recommence. Maya, mais tu ne sais pas. Ah, je ne sais pas troller. Ah, non. Non, je sais pas. Non, mais vous y avez cru, en fait, du coup. Elle nous troll depuis la création de sa chaîne. Ah ben voilà. Bon, merci Twist. Merci Twist. Voilà. Bah voilà. Si, si. Donc ça veut dire que j'arrive à troller. J'ai oublié les... attendez, j'étais en train de me dire tartine d'avocado. C'est... ouais, le pain il est au four. Donc on va peut-être faire attention. On va récupérer. Ah mais c'est bon. Ok, yes. Bon, du coup ça sera du avocado croustillant. On va mettre ça là-dessus. Je vais rechercher la guacamole qu'on a mis de côté. Hop là, je vais reprendre ça. Hop là, donc j'ai bien fait en fait. Hein. J'ai tout mis de côté, c'est parfait. Donc on va se refaire un petit, on va se faire un petit avocat. Toast. Hop, donc du coup, tu m'avais dit c'est guacamole. C'est la première fois que je vois ça, les gars. Ouais, attendez les gars, c'est hallucinant. Fois. C'est hallucinant. ok, et donc ça c'était. Mais oui, c'est clair. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
Donc du coup, je mets toast de pain, guacamole et l'œuf mollet par-dessus. Alors, on y va. Donc ça, j'ai pas besoin, en fait. L'œuf va bientôt être prêt. Attention. J'espère qu'il va être mollet. ouais. Et donc, culinairement... ouais, merci Skalzo. Merci pour... oui, l'œuf, j'ai mis le chrono, les gars. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas sonné. Il nous reste très exactement 10 secondes. Attention, 10 secondes. Non, il sera pas dur, les gars. J'ai mis le chrono. Ah, là, il fallait creuser. Mais arrêtez, les gars, c'est vous qui vous rendez pas compte. Du coup, le pain. Voilà. Voilà, on se récupère. Ah, et je vais vous proposer de lancer des pop-corns. Du coup, les gars, hier, j'ai oublié d'acheter des pop-corns. Bon, je vous ai dit, heureusement que j'ai des bleus. Très bien. Alors, attendez, on va mettre ça sous le froid. Du coup, si ça passe au congèle, c'est pas mieux. Coucou, ouais, salut l'agneau, comment tu vas? J'arrive à la fin. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Pas de soucis, pas de soucis. Je mets la peau congèle, non? Pour que ça, la coquille se rétracte. Ouais, on teste. Si, ouais, en fait, hier, j'avais ma liste de courses et je n'ai pas pris de pop-up. Donc, j'ai ceux-là, en fait, c'est des bleus. Tu sais que j'avais trouvé une fois et du coup, je les avais achetés. Et heureusement qu'il me reste ça, sinon j'avais plus de pop-up. Non, j'en ai plus jusqu'à demain. Tu aimes les... Attends, c'est quoi les mots, les... Ça dépend. Le kraken, tu vois, kraken, j'aime bien. J'ai pas compris s'il y a des mots que j'aime bien ou pas. Je les mange salés, mais non. Ouais, salé, c'est trop bon. Trop bon, mais laisse tomber, trop bon. Je suis une folasse de pop-corn. Attendez. Voilà, donc nous allons mettre, donc dans cette petite poignée magique, nous allons avoir l'équivalent de 70 calories, les gars. Voilà. Après, c'est, voilà, dernier jour de repos, donc les gars, je vais profiter. Hein. ouais, et donc j'ai pas compris les mots lait, en fait. Ah, j'ai compris, Skyzo, c'est monté au cerveau, j'ai compris. Ouais, j'aime bien, oui, j'aime bien, oui. Les œufs, oui, j'aime bien. Quand t'as des goulines et tout, c'est trop bon. Alors attendez, le toast et les pains, je les ai mis où? Ils sont encore là? Ah bah oui. Hop. Voilà. On y va. Guacamole, les gars. On va en mettre un petit peu. Hein. Ouais, un petit peu. Hein. Hop. Donc guacamole. Voilà. Ouais, les pop-up, c'est lancé. Punestre la classe, j'ai un limote à côté. Ouais, t'as vu Vénance? Eh ben oui, bah, ça veut dire que t'es sub sur la chaîne. Et tu peux utiliser les emotes, tu sais, quand t'es sub, tu peux utiliser le petit chat, tu peux utiliser le melon. Oh, le melon, les gars, il va bientôt revenir, hein, dès demain. Hein. Ça fait trop longtemps qu'il nous a abandonnés, là. Ok, pas de pop-up si c'est pour qu'on manque de respect, tout ça, parce que j'ai fait partie des trois. Merci, nous. Merci, nous. Oh là là, c'est toujours génial, en fait. J'ai loupé une tortilla. Non, du tout, elle est pas cramée, tout est bon. Tout est nickel. Dans 20 jours environ, on est déconfiné. Ouais, je sais, Twist. Moi aussi, j'ai hâte. Ouais. Mais en fait, je voudrais juste qu'ils enlèvent le couvre-feu le soir. Le couvre-feu. Faut juste. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, on se met la danse de Carlton. Allez, les gars. Ils vont déconfiner. Ouais, ils vont déconfiner, mais je veux qu'ils enlèvent le couvre-feu. Eh oui. Voilà, le couvre-feu, s'il vous plaît, les gars, pour qu'on puisse retrouver voilà, des soirées sympas. Et ça a l'air trop bon. Salut monsieur Black Diamond, comment tu vas? Bon, du coup, attendez. En fait, c'est pas du tout la fête qu'il me faut. J'aime pas du tout. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Attendez. Bah, on va prendre. Ah, tiens, elle est jolie celle-là. Mais est-ce que du coup, avec le vert, ça ira pas? Bah, écoutez, on reste sur le blanc, les gars. Désolée, je n'ai absolument pas d'idée. Donc, on va rester sur le blanc. Voilà. Et nous allons mettre nos tortillas. Alors, on va faire le mix de fromage. Et comme ça, du coup, on va mettre juste. À chauffer et on sera bon. Alors, donc il faut un mélange de feta. Donc, ce que je vous propose de faire, du coup, en fait, il y a déjà pas mal de calories, les gars. Donc, ça, c'est bon. Les fromages à pâte dure, donc là, vous avez du cheddar. Donc, il y a quand même 30 grammes de protéines dans 100 grammes, mais c'est quand même 600 calories. Donc, on fait attention, c'est très calorique, en fait. Hein. Voilà, et c'est surtout des matières grasses. Ouais, saturé. Donc, c'est pas forcément les meilleurs pour la santé. Une fois de temps en temps. Tu l'as fait pas le con, je veux ma bière pression en mai. J'adore. Merci, Mikwood, j'adore. Merci pour les cheers. Oui, c'est clair, Castex, fais pas le con. Merci, Lalio. Merci pour le sub. Merci, 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 Lalio, pour le sub. Merci beaucoup. Merci, merci.
Merci, bah, merci les gars aujourd'hui, enfin, c'est ouf. Voilà, donc il y a un mélange de feta, de mozzarella. Donc du coup, comme je vous ai dit, en fait, j'ai congelé la mozza, comme ça du coup je vais pouvoir la râper. J'ai pas trouvé la mozza râpée. L'œuf il est là, donc il faudra juste qu'on casse. Et on va faire un petit mélange de ça. Par contre les gars, ouais, en fait, bah non, ça veut dire qu'il faut que je blinde quand même toute la tortilla. Eh oui, alors. Oui, donc du coup, ça va faire des calories. Eh oui. Alors, petit mec, comment je fais pour mélanger en fait ma torte. Ouais, t'as vu, Pierrot? Non, elle est pas bien carbonisée. GG, Lalio. Ouais, merci, merci, Lalio, pour le sub. Je suis désolée, c'est encore mon goûte. Oh là là, fait chier. Je vais peut-être changer un peu. Hein. Donc, Askay, il a dit quoi? Le marchand veut pas que je touche à ses produits. Ok. Ils vont remettre le couvre-feu à 18, mais personne ne va le respecter. Non, je pense qu'ils ne vont pas remettre le couvre-feu. En fait, je crois que là, le gouvernement s'est dit, on ouvre tout, en fait. Là, c'est bon, hein, on va reprendre. Là, c'est bon. Je pense que ils s'en foutent de... Comment ça s'appelle de, des... Bref. Vous avez vu à combien de cas on est? On est à plus de 30 000 et c'est bon, on va ouvrir. Hein. Du coup, je pense que là, ils se sont dit, c'est bon. Hein. On ouvre. Du coup, en fait, je sais pas, c'est un festival cette recette. Attends, Skyzo, attends, tout n'est pas fini là. Je ne sais pas comment il faut que je le fasse en fait. Donc, je vais mélanger la feta, ça c'est sûr. Je vais mélanger. Ah, ma couille, doucement. Ouais, doucement. Ouais, ils vont tout réouvrir, je pense là. Et de toute façon, ils ont raté un truc. Les gars, attendez, je m'en sors pas parce que. Non, c'est ça qu'il faut que je mette à chauffer. Voilà, comme ça la tortilla ça ira vite et il me faut un bol, voilà, il est là. Donc du coup je mets ma feta, voilà, il y a peut-être 20 grammes je pense, 20 grammes. Je vais mettre du cheddar, je mets un petit morceau en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je sais pas. Je pourrais en faire un verre à ça. Ouais c'est ça Ludov, c'est exactement ça, après un an, je suis complètement d'accord. Ouais. On a... ma couille, oh j'adore. C'est parce que t'avais écrit en majuscule et là c'est... et t'as écrit doucement, excellent. Mélange, ouais ok d'accord ça marche, ok. Ouais du coup là je mélange, ok. Attendez, je pense que je vais partir sur deux cheddar. Je vais peut-être mettre un peu plus de feta parce que les tortillas sont quand même... Voilà. Mozzarella, du coup on va la râper. Écoutez-moi ce doux bruit, ce doux bruit de pop-up. Alors on y va. Eh ben écoutez, c'est parfait les gars, je sais pas si vous voyez, mais ça rappe du feu de Dieu. Du feu de Dieu. C'est génial. Hop là, regardez. C'est pas beau s'il vous plaît, c'est trop bien. Pour ma part. Et donc, les ailes pour les restos, c'est pas fini. Ce n'est plus que là. Ouais, c'est clair. Bonjour Yudou, comment tu vas? L'année dernière, je suis pas allée, même comme ça. Ah, c'est vrai, Yudou, moi j'ai été retournée entre avril et. Non, c'était pas avril, c'était entre juin. Ça m'a ouvert le 22 juin, très précisément. J'ai la date précise en fait, parce que c'est le jour où j'ai pu aller à la salle. Voilà. Bon, pareil, on va pas tout mettre. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Ouais, t'as vu, monsieur fabuleux? Donc, du coup, en fait, il faut que tu saches que c'était. Hop là, donc je vais faire le feat avec Carl du team et du coup là c'est sa recette à lui. Ouais, merci Baloulou. Ouais, on trouve une solution. Hein. Hop. Voilà, du coup mes pop-up sont prêts, on va changer de plaque. Hop là. Voilà, et donc du coup maintenant on va mettre ça dans nos tortillas. Les petites tortillas qui sont ici. On va mélanger nos pop-up. Du coup, ouais, je mets rien d'autre. Hein. Et le... C'est quoi? Le mets, il est du... Attends, Sky, j'ai pas compris. Je déjà resto... T'as déjà resto le midi? Ah oui, donc il y en a quand même qui ouvre. Hein. Et donc, Twist, il a marqué... Déjà, on va se choper une crise éco... Ouais, c'est clair, en 2022, tu m'entends. Ouais. Mais attendez, tous ceux qui... moi, je n'ose même pas imaginer, hein, tous ceux qui avaient... Oh, arrêté, horrible. Ouais. Et fais gaffe, ça va être... déjà... Donc, t'as déjà... je suis perdue, en fait. S'ils réouvrent tout, il y a moyen qu'ils referment... Ouais, mais j'espère pas. Adrien Tinova, franchement, moi, ça commence à me gonfler sérieux, parce que depuis le mois d'octobre... Voilà, on n'a toujours pas résolu le souci, voilà, il y a plus de... Combien 60 000 en octobre l'année dernière?
Merci Yekemeno, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Allez, viens, 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 viens avec nous. Salut Vétéran Dédé, comment tu vas? Alors attendez, donc du coup j'étale. Voilà, non, bref, j'espère qu'on va pas refermer là parce que non, là ça commence à arriver à gonfler en fait. Et puis les gars, il y a l'été quoi! L'été, il faut qu'on se prépare, je vous ai dit, c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare notre corps, donc c'est maintenant qu'il faut qu'on aille à la salle. Quel enfer, ouais. Ouais, non, c'est clair. Et donc j'ai pas compris la blague de ma couille de l'outre. Ah, Pierrot, je sais pas, j'ai pas suivi. Un featuring avec Auditing Top Chef, vous allez gérer comment... Ah, le temps de parole, arrête twist. Non, vous savez quoi, j'ai dit... Non, j'ai dit... Enfin, j'ai dit, je me suis dit dans ma tête, c'est Karl qui, voilà, qui a lancé l'idée et tout. Je le laisserai parler, en fait, je parlerai pas, en fait. Ouais, ouais, non, mais grave. Donc du coup, là, c'est bon. En fait, j'ai pas blindé jusque sur les rebords, parce que les rebords, je pense qu'il va un petit peu sécher. Voilà, donc du coup, je mets la deuxième tortilla dessus. Voilà, et on coupera des petits morceaux. On va laisser le... Hop là, on va laisser le fromage fondre. Allez, et pas trop fort, parce que sinon mes tortillas vont être dures comme du béton. Voilà, et puis en attendant, les gars, on va écaler la fin. vous verrez sur la photo s'il est bien moulé ou pas. Parce que s'il n'est pas moulé, je vous mettrai pas la photo. Arrête, twist. Non, j'ai dit que voilà, s'il y avait Karl et tout, fallait pas que j'abuse et que voilà, je... Non, ils ont eu son temps de parole et puis je... Alors, les gars, j'aurais bien écouté, hein. J'aurais écouté et tout, hein. Non, non, vous inquiétez pas. Non, non. N'hésite pas, bien vu. Ah oui, je sais, Karl. Du coup, en fait, j'en ai mis que sur le centre. J'ai mis que sur le centre de la tortilla, comme ça, du coup, en fait, c'est bien blindé au centre. Et voilà, ça me fait juste une petite part, tu vois, au milieu. Salut, yeux doux. Comme les dinosaures. Attends, attends, Vénince, c'est un cataclysme, l'extinction de notre espèce. Oui, je sais, Vénince, ouais. Ça a commencé. Les mammifères, c'est les premiers qui vont disparaître. Et là, il y a des, bah, il y a des villes, hein, d'ici 20 ans, en fait, qui vont disparaître aussi. Oui, oui. C'est... Comment vous dire? Ouais, on va voir ce que ça va donner. Ouais, 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 je sais. Je sais, Vénince. Ouais. Oui, salut, Lissignano. Oui, on va bien. Et toi, comment tu vas? Ouais, je suis désolée, j'ai pas dit bonjour avant. J'espère que tu vas bien. Et donc du coup, yeux doux, on revient sur... donc là, en fait, on est sur un ceviche. Donc on a fait un ceviche dorade, on a fait une guacamole, on a fait le lait de tigre, en fait, qui va avec le ceviche, qui est ici. Nous avons fait un pico de gallo, voilà. Et extinction, ouais, des humains. Comment ça, tu parles pas? Non, mais ouais, hein. Non, c'est pas ça l'artiste, c'est que je l'aurais... Enfin, voilà, je ne comptais pas prendre toute la place pendant le stream avec Karl, quoi. Ah non, 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 du tout. Non, non, ça se fait pas, quoi. Les survivalistes... Arrête, tu penses, t'es autiste. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu sais, d'ici 200 ans, ils ont dit que les mammifères, en fait, ils allaient mourir. Qu'on n'allait plus avoir de mammifères. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Après, non, je suis pas survivaliste. Va sur Mars avec Elon Musk. Ah non, Dream Tour, moi, je reste ici. Ah non, moi, je reste ici, je vais pas sur Mars. Attends. Moi, je reste ici avec la connexion Internet, hein. Sur la ligne, y'a rien. Ouais. Bah écoute, Lissignano, écoute, bienvenue sur la chaîne. Ouais, bah, je suis contente. Ouais, bienvenue. Écoute, voilà, tu nous rejoins. Hop. Donc là, aujourd'hui, c'est spécial Amérique latine. Donc, en règle générale, c'est la cuisine qui est plutôt ici. Voilà, et protéinée, parce que du coup, je fais du sport. Donc, du coup, il faut vraiment ma protéine. Hop. Voilà, et puis je donne des petites informations sur ce qui... Voilà, sur la grenade, typiquement. La grenade, voilà, c'est aphrodisiaque et tout. et c'est qui cette mamie? C'est qui? Attendez, attendez, la mamie c'est moi? Voilà, et j'ai un chat qui se fout pas mal de moi. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Voilà. Donc bienvenue parmi nous. Du coup, avec le temps, peut-être que toi aussi tu t'y mettras, hein. Donc c'est à partir du moment où certains endroits habités de la planète deviendront inhabitables, les exodes. Ouais, ben c'est ça en fait, c'est là où ça va commencer, mais ça a déjà commencé en fait dans certaines régions. Du coup, bah, je nettoie les gales, donc, et dans 20 ans, à 20 ans, ouais, et je ne pourrais pas tenir au décalage, c'est encore trop puissant. J'ai pas compris l'udop. Ah, tu ne pourras pas tenir au décollage? T'as déjà testé? Comment tu sais? Merci, Twist. Merci, merci. donc, attends, du coup, dans 20 ans, déjà, le phare d'Alexandrie avec le clo. Ouais, je sais, je dis, ouais, d'ici 20 ans, en fait, il y a des villes, en fait, qui vont être... Mais en fait, ça va être des catastrophes naturelles, hein, tout simplement. Bah ouais, c'est tout. Ouais, 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 ouais. Hop. Alors écoutez les gars, je suis plutôt contente parce que là, du coup, j'ai
ma vaisselle qui est finie. On va aller regarder les petits pains. On va aller regarder les petits pains. Et donc, c'est quoi ma couille? J'ai pas compris, Pierrot. Ouais, alors là, du coup, il va falloir me... J'ai pas compris. Et donc, non, enfin, vrai, Maya... Ah, arrête, Baloulou, pourquoi Maya l'arnaque? Ouais, attends. Non, 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 non. Et sur... Ouais, c'est ça, c'est exact. Oui, c'est... Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris, Baloulou. Oui, donc, effectivement, tu arrives sur une chaîne où parfois, je peux tenter de... d'arnaquer. À ma façon. Ouais, grave. Oui, parce que vous m'aimez bien. Ouais, je sais, Vince. Mais oui, je sais. Et moi aussi. Bah, moi aussi. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse faire parce que moi aussi, j'aime bien. Mamie, j'en peux plus. Vous avez vu son physique? Elle a la trentaine. Ah, arrête, monsieur Black Diamond. Ah, ouais, j'ai la trentaine. Ouais. Bon, en même temps, je vais pas le cacher. Hein. Ah, oui, je sais. Donc, je vous laisserai. Non, moi, je pars pas sur Mars. En fait, moi je reste là. Nettoyer sa cuisine, l'entretenir, c'est quand même la base. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait à Drain Tonoma. Regarde. Hop. T'as vu, j'ai fait main en l'air, j'ai fait genre dans Top Chef et tout, main en l'air. Ouais, c'est pas faux. Attendez les gars, moi je vais pas sur Mars, hein. Moi je reste là. Hein. On va... Pourquoi on va aller se faire chier sur Mars? Ah, c'est s'ils prennent des gens pour survivre, c'est ça? Non, moi j'ai pas envie de survivre. Moi je vais faire ma vie et puis hop. Voilà. Mais ça se trouve, vous savez que dans quelques années, il y en a qui auront l'éternité. Comment on appelle ça? Non, ça n'existe pas l'éternité et tout, mais. Ah, Dieu doux, je crois que Moubot, il a pas aimé. Ah, il a carrément été banni. Ok, d'accord. Ok, bah, je vous laisse faire, les gars. J'ai vu les vidéos de la navette SpaceX. Ouais, le décollage aussi. Ouais, j'ai vu le décollage aussi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Vous imaginez, les gars, ce qu'on arrive à vivre aujourd'hui, c'est voir le décollage de la fusée. Et voir les 8 minutes et tout, le temps qu'ils sortent de la Terre. Non, mais mon Dieu, les gars, on a la chance aujourd'hui, c'est un truc de fou. Pourquoi vous voulez que j'aille sur Mars? Non, non, je reste... Ah, mais il n'y aura plus d'Internet. Bon, attendez, on est calme? Ouais, c'est bon. Bah écoutez, les gars, je crois qu'on est bon. Je pense que le fromage, il est... ouais, le fromage, il est bien fondant, les gars. Ok, on est bon. Hop. C'est chaud. Par contre, c'est chaud. Vas-y, dépêche-toi. Trouve-toi une assiette. C'est chaud. Voilà. Ouais, c'est quand même magique, hein, ce qu'on a vécu. Donc, il nous reste l'œuf, les gars. Eh oui, l'œuf. Je sais, Carl. Attends. Voilà, j'ai peut-être pris une grande assiette pour... Allez, le petit œuf. Voilà, comme ça, il a sorti un... Hop. Alors, attendez. Ah, tu vas sur... ouais. Après, du coup, je sais pas ce qu'on ferait sur Mars. Du coup, on a envoyé pour faire quoi? Ouais, car c'est bon, la tortilla, elle est nickel. Là, du coup, je vais découper des petits morceaux. Alors, j'arrive à les caler, déjà. C'est déjà un bon point. C'est de toute beauté. Merci, Vince. Attendez, les gars. Et je pense que je vais me régaler, donc merci, Karl. Pesquet, grave. Et donc, on s'en fout d'Internet, c'est faux. Ouais, c'est ça, mais il y a un Dream Tower, c'est clair, hein, même pour se déplacer, enfin, tu sais, avoir le trajet et tout, enfin, ouais, ce serait compliqué de ne pas avoir Internet, quand même. Mais bon, si c'est la fin du monde, du coup, mon argument ne marche plus, en fait. Ce qui est magique, c'est que la fusée qui a est réutilisable. Oui, c'était la deuxième fois, exactement. Et même le fait que ça redescende, en fait. Ouais, c'est un truc de faux. C'est pour en apprendre sur la création de... Ah. Merci, Bézance. Ouais. Et donc, Pesquet, il fait pas des tortillas. Ouais, voilà, arrête. Ça sert pas. Bigfoot, t'es trop drôle. À part... Ouais, c'est vrai qu'il prend pas mal de selfies, hein. Mais ça a l'air d'être un gars hyper intelligent, je pense. Ouais, hyper intelligent. Wapapapao, j'ai failli casser l'œuf, les gars. On y va doucement. Bon, de toute façon, le gars, en fait, il fait ce qu'il aime, donc du coup, il peut être que bon, quoi. Et donc, j'ai pas vu de cuisine. Ah, bah non, non, Ludop. Et t'as vu, en fait, il est parti. La veille, ce qu'il a mangé, il a mangé un poulet rôti avec une purée. Et il s'est fait un plateau de fromage, je sais pas si vous avez vu la photo. Ouais, donc il s'est fait un plateau de fromage et en dessert, je sais plus ce qu'il a mangé. Mais il est quand même parti dans l'espace avec des plats du chef. Mince, c'est quel chef? Vous savez celui qui a le crâne rasé? Je sais plus. Et je vais sur Mars en Mars en mangeant un Mars avec une musique de Bruno Mars. Donc ça, c'est. Ouais, merci Adrentino. Et donc, sur les 6 mois de mission, il sera commandant de la mission sur quelques semaines. Ouais, c'est parce qu'ils sont plusieurs aussi, joli. Ouais, je pense qu'ils sont plusieurs, donc du coup, ils se partagent le truc. Les gars, j'y vais super doucement, parce que là, c'est sur le point de s'ouvrir, en fait. Thierry Marx, merci Vince, ouais, c'est ça. C'est Thierry Marx.
Non, bah c'est bon, attendez. Je crois qu'il est mouillé, les gars. Allez, vous voulez qu'on fait ensemble? Non, c'était Thierry Marx, ouais. Et donc, du coup, il a fait des petits plats pour... Mais bon, je me suis dit, attends, Thierry Marx, il est en France, il a envoyé des plats en Floride, et après, les plats sont partis de Floride dans la fusée, donc sympa, hein. Ouais, il m'énerve, est-ce qu'il est beau? Ah ouais, t'as vu Twist? Ouais, il est beau et tout, c'est clair. Mais ouais, mais il a une compagne, hein, donc du coup, ouais. Hop. Il est beau et tout. Twist, il est trop drôle. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est... Je suis pas sûre que ça l'intéresse, hein. Il a pas l'air d'être très... Bon, je connais pas sa vie perso, hein. Mais déjà pour décider de... Attendez, hop là. Ouah, allez, c'est le dernier morceau qui me reste. Allez, on ouvre, comme ça on va... Non, c'était pas Ducasse. Oui, ah, Ducasse aussi. Il a cuisiné aussi pour Pesquet. Non, mais le gars, il y a 5 ans, il était inconnu. Hein. Personne ne savait qui était Thomas Pesquet. Et voilà, et le gars est parti dans l'espace et tout. Et c'est bon. Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas tous les jours. Hein. Ouais, et les plats ont été mis en boîte en Bretagne par Enaf, d'accord. Et il a une compagne, mais il vit pas avec. Ah oui. Non, ça m'intéresse pas, l'artiste, du coup. Les gars, je vous montre, en fait. Vous voulez qu'on le fasse en live ou... Alors, attendez. Du coup, on va le faire en live, comme ça. Ça sera fait. Je préfère ma photo. Bon, écoutez, on ouvre. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va couler. Voilà, on fera une photo comme ça. Ok. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Je vais vous faire un plan de travail propre. On va jeter ça. Et on sera bon. Voilà. Ah bah non, la poubelle. Je ne suis pas là. Voilà, je vous fais. On y va? On l'ouvre en live. Bon, il y a lui qui est tombé, tant pis. Ouais, en live. Ouais, ça marche. Attention, on voit si Maya a réussi à faire un œuf mollet. Allez, c'est parti. Et je crois que oui. Hop là. Et oui, les gars, j'ai réussi. Il est pas beau, s'il vous plaît. Yes. Bah, je sais pas comment... Ouais, le coulant, voilà. Bon, voilà. Voilà. On est bon. Hop là. Ouh, ça va être bon. Bon, bah écoutez, les gars, c'est bon. Merci, Karl. Bah, c'est toi, merci de m'avoir envoyé. Ouais, merci de m'avoir envoyé aussi ouais, les détails de la recette et tout. Très bien, donc pour les tortillas, ce que je vous propose, on va juste couper un petit morceau. Comme ça, hop, on va faire des petits triangles. Hop. J'ai failli faire arrêter le stream. Faut que je fasse attention à mes boutons. Hein. Alors, attendez, voilà, on va juste... Ah, agréable. Merci, Vince. Merci, les gars. Merci, merci de toute beauté. Merci, les gars. Du coup, j'ai pas mis de fromage sur les rebords. En fait, j'en ai vraiment mis au centre. Délicieux. Ah, merci, agréable. Les gars, c'est trop mignon. Merci. Arrêtez. Les gars, c'est de toute beauté. Merci, merci, merci. Arrêtez, les gars. Merci à toi, Karl, surtout. Hop, ouais, et ouais. Bah, dommage pour le fit, du coup. Hop. Très bien, mais écoutez, on va faire des petits triangles comme ça. Attendez. Non, on va faire des différents morceaux de différentes formes. Hop. Ouais. Je vous montre le petit... Bon, j'aurais pu écrire un... Bon, c'est pas tellement cheat meal, en fait. C'est ça qui me... Ouais, là, c'est pas tellement... Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, c'est équilibré. Délicieux. Ouais. Ingréable. Ouais, t'as vu l'artiste? C'est Maya Larnac. Merci les gars, merci Michael. Et voilà, tu dis, le bot te censure. Attends, Twist a été censuré par le bot. Non, je suis désolée, Twist. Il a censuré pas mal de monde aujourd'hui. Hein. Merci. Merci de moi. Ouais, cuit un peu plus les rebords pour la. Ah, pour le. Attends, de quoi donc, cuit un peu plus les rebords pour le guacamole. Ah oui, exact. Ouais, ça va faire des chips. Merci, Carl. Bon, du coup, les gars, je vous montre ce qu'on a préparé. Voilà, 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 voilà. Hop. Alors, attendez. Voilà, comme ça, on va se mettre des petits bouts comme ça. Nettoyer sa cuisine. Ouais, mais attendez, les gars, c'est propre. Arrête, mais non, c'est propre, là. Merci pour le follow, Ulric, BGB, merci. Donc, prépare quelques places à vous pour Thomas Pesquet, tu peux les envoyer avec le prochain ravitaillement de la station. Ah, c'est vrai, Ludop ? Non, du coup, non, écoute, là, ça va être la rentrée, je vais reprendre l'école, je pense que j'aurai pas mal de taf. Hein. Donc, désolé, Thomas, j'ai pas le temps. C'est quoi ce voix ? Ça vénère ! Ah, merci, sur le coin du lit. Ok. Je commande la cheesecake et qu'il n'y a pas de poulie. D'accord. Voilà, merci, merci, merci. Donc, ça fait 30 ans que je n'avais pas entendu. Maya l'abeille, ouais. C'est Maya. Maya.
et avec un lance-pierre, c'est jouable d'atteindre l'ISS. Waouh, d'accord, ok. C'est plutôt moyen la guêpe vu la taille. Merci, monsieur fabuleux. Ouais, c'est gentil. Et pourtant, du coup, les gars, je vous dis, hein, je mange. Je laissez tomber, je fais que ça. très bien, je vous montre. Ouais, merci. Salut, Riche. Merci, merci pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Donc, je vous remontre les plats. Et puis, bah, du coup, hop, voilà. Donc, nous avons. Le picot des gaillots avec une guacamole, donc on a des grenades, voilà. Ici nous avons le ceviche de Dora, donc on a le lait de tigre avec ceviche, hop là, des dorades dans sa chimie, du coup ça fait que ceviche. L'avocado toast, donc là on a guacamole avec l'œuf moulé, on a grillé un petit peu de pain. Arrête Venance, pourquoi tu veux alerte au gogol? Non, alerte au gogol c'est quand il y en a un qui est pas gentil. Et là du coup nous avons, attention les gars, tortilla fait maison. Voilà, et de au milieu, donc nous avons un mélange de cheddar, de mozzarella et de feta. Voilà, donc reçois un BCC. Ouais, ça marche. Oui, oui. Bah écoute, Carl, ouais, tu me diras, et puis comme ça, du coup, on verra ça pour se réorganiser une prochaine fois. Ouais, ça, moi, ça me va. Ça me va. Hey, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour les recettes, et bah merci. Merci à vous, les gars. Vous, voilà, ouais. Merci pour tous les tirs, merci pour tous les subs. Voilà, merci pour tous les follow. Merci, bah merci à vous. Merci. Voilà. Bah écoutez, du coup, on se retrouvera demain soir. Je vous raconterai la première journée de rentrée. Je suis sûre qu'ils vont prendre, ils vont prendre leurs ailes, je suis sûre que ça va être, bref, comme la dernière fois. Première journée, ils vont les ailes. Ah, bah voilà, 1, 2, 3. Ouais, et fais gaffe aux livreurs qui les jettent. Ah. Ouais, non, tu m'étonnes. Ouais, bon courage à toi, Karl, du coup. Ouais, bon courage à vous, très belle journée. Ouais, je crois que si elle avait 100 ans de moins et moi 100 ans de plus. Et écoutez, c'est parfait. Bon courage, donc pour ceux qui sont au boulot, qui taffent, bon courage à tout le monde. Et un raid chez Ninja Koneko, très bonne idée. Ça marche, Vince. Oh, Adrien, toi. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, merci. Merci, Karl. Merci. Merci pour tous les cheers. Arrête, Adrien Tenauer. Merci. Ouais, grave. Ouais, t'as vu l'artiste. Ouais, et le melon, il va revenir. Ouais, chez Ninja Koneko, ça marche. Bon dimanche à vous. Reposez-vous bien et prenez bien soin de vous. Ouais, plein de bisous à vous. Alors, on va chez Ninja Koneko. Les gars, vous restez, hein. Allez, on lance le raid avec contente. Hop. Ninja. Et c'est Koneko. Ninja Koneko. Ouais, c'est parti. Allez, les gars. Bon après-midi à vous et merci encore à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. Plein de bisous à vous. Ouais, plein de bisous. Merci. Hop là.